zombie apocalypse. Ok, salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc en live sur Medieval Dynasty. Donc on va regarder comme cela a été prévu. Alors je vais faire le live mardi, j'en suis désolée. Étant sur le test de notre jeu en coopération qui demande énormément de temps, j'ai complètement oublié hier de vous faire le live. Donc je m'en excuse, je me rattrape ce soir. Donc... si vous avez des questions, effectivement, ben, faut les poser maintenant. Donc le live, c'est sur Twitch. Vous avez dans les autres vidéos le lien pour pouvoir me rejoindre. Et puis sinon, ben, écoutez, moi je vais avancer le jeu. On va donc mettre en application ce qu'on a vu au niveau des nouveautés du jeu. Que ce soit les outils dans les différents ateliers qui existent. Après, essayer de voir ces fameux plats, enfin, et puis regarder un petit peu tout ce qui a changé par rapport aux dernières mises à jour. Donc, comme on peut le voir déjà à l'écran, on est donc bien à l'alpha 0.3.1.4. Et je suis en live, il est 21h30 et on est le 17 février 2021. Donc, on va continuer la partie. Si vous me rejoignez sur le live, tant mieux, comme ça, ben... vous pourrez maintenant vous me poser des questions directement. Donc, ce serait le plus simple. Maintenant, si vous venez pas, ben, tant pis, je le fais en live. Donc, la vidéo sera effectivement... le live sera plus long puisque c'est un live. Et je vais essayer de faire le tour, voir toutes les nouveautés au niveau de l'interface, la gestion, etc., etc. Et puis, ben, si vous venez, tant mieux. Si vous venez pas, ben, ce sera comme une vidéo, mais un petit peu plus longue pour moi. C'est-à-dire, je parlerai toute seule. Mais bon, j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc, on est en hiver, on est passé en hiver. Ah non, on est en... ouais, non, on est en hiver. Alors, ma petite Kunigunda. Alors, on va lui demander si elle a une minute. Hop, plus 2. On va pas lui parler des chiens, sinon on va nous dire qu'on sent pas bon. Alors... avez-vous une minute? Ben voilà, hop. Il fait beau aujourd'hui, il neige, elle va pas être contente. Non, peu importe. Je m'en vais. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'interface? Alors, quand on regarde tout ça. Donc ici, vous voyez, maintenant, la nouveauté. On voit que j'ai de la viande, elle n'a plus que 12% avant d'être pourrie. Hein. J'en ai pris 31, il va falloir que je les mange. Donc après, qu'est-ce que j'avais vu? Donc c'est plus gestion, c'est management. Alors au niveau du management, Albreda, elle est mineure, c'est en train de monter. Au niveau des maisons, donc oui, il fallait qu'on recrute un PNJ niveau 3, chasse ou extraction. Et je n'ai pas de bâtiment abîmé. Ok. Niveau technologie. Toc, toc, toc. Que je regarde. Ah oui, alors, j'avais eu un commentaire qui me disait que au niveau de la forge, on pouvait retrouver... et on a un point de compétence à mettre. Plein de points de compétence à mettre.
Ah oui, ça a été réinitialisé. D'accord. Ok, super. Alors, on va mettre. Alors, chasseur de trésors. 5% de chance de trouver un objet au trésor dans les fosses d'argile. Ouais, mais moi, j'y vais pas dans l'argile. Donc, hop. On va mettre un point ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? To change. Niveau suivant. Force de la nature. Je sais plus où j'avais mis mes points. Faire un avec la terre. Donc, qu'est-ce que j'ai en niveau 2? Toc, toc, toc. Force de la nature. Perte de la durabilité de la hache plus lente. Des pioches et des pelles. Donc, pour pouvoir mettre un niveau 3, ce que je voudrais mettre. Bon, on va mettre ça. Voilà. Donc, évidemment, après, on va mettre le radar, l'œil bionique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en niveau 4? Niveau 4, niveau 4. La transe du bûcheron. C'est nouveau ça. 10% d'accélération dans l'abattage des arbres pour les 10 prochaines secondes jusqu'à 1. Et la transe du mineur, ça m'intéresse pas vraiment. Donc au niveau des niveaux 3, qu'est-ce qu'on a de neuf? Réduction de 10% de la consommation d'énergie lors de l'exploitation forestière ou minière. Mule. Limite de poids super. Limite de poids, on va le mettre là. Celui-là. Niveau 2, niveau 2. Après, qu'est-ce qu'on a en niveau 2? Les paires de durabilité, ça non. Chasseur de trésors. 5% de chance de trouver. Ouais, mais bon, l'argile, hein, le problème étant. Bon, on va les mettre là. Hop. Il n'y en a plus. Si encore un. Voilà. Après, au niveau de la chasse. Donc, ça, l'arc, l'arbalète, la lance est tenue 10% plus stable. On va mettre connaissance en chasse. On va mettre ça. Puisque c'est nouveau, on va tester. Le poêleur, ce faufiler fait 25% moins de bruit. Sachant que je voudrais le tracker en premier. Je ne sais pas combien j'ai. Non, j'ai plus de points. Alors, ouais, on verra, on verra après. Diplomatie. Donc, connaissance en diplomatie. 5 points de compétences supplémentaires, on va en mettre un là. Ensuite, on a diplomate. 20% de réputation, on va en mettre là. Roméo, on n'a plus besoin. To change. Ça sera les échanges, le troc. 10% de meilleur prix de vente et d'achat. Alors, faut que je mette. Je n'ai pas mis dans le niveau 2. On va mettre un là. Voilà. Alors ici, on a des nouveaux icônes, dont ici le roi. Alors, ça va être quoi ça? Niveau 3. On a 5 plus grandes approbations de base. Alors là, je pense pas que ça soit super bien traduit en français. 5 plus grandes approbations de base. Bon. Main du roi, 25% de chance en moins de perdre la réputation. Perdre la réputation du roi ou bonne note. 10% de baisse d'humeur plus lente. On va mettre le roi. Je peux. Il n'a pas l'air de vouloir. Hein. J'ai plus de points. C'est normal. Ok. Donc, ensuite, au niveau de la pêche, c'est quoi ça? 5% de compétences provenant des activités de survie. On va mettre un là. 2 degrés, meilleure tolérance à la température, hein, mais niveau 1. Niveau 2, sens de la survie, là, ça je le veux. Solide comme un chêne, 10% de plus de santé, oui. Niveau 3, survivant, 10% de perte plus lente de la nourriture et de l'eau. Ensuite, on a le blocage coûte 25% de moins d'endurance. D'accord. Danseur sur l'eau, on s'en fout. Vous j'en mette un dans le niveau 3. Alors, soit survivant, 10% de perte, plus lente de nourriture et d'eau, ou le blocage coûte 25%. Je vais mettre là. De toute façon, on peut après parler à notre épouse pour qu'elle nous remette les compétences à zéro. Ici, réduction de 10% de la consommation d'endurance pendant les déplacements.
Alors ça, je l'avais déjà test, ça c'est pas nouveau et j'avais pas vu de différence. Donc je vais en mettre un là. Là et toc 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 toc, on va le mettre ici l'autre et on va en mettre un autre. On va le mettre ouais, dans les connaissances de survie. Ah ben j'en ai encore. J'en ai beaucoup de points là. À solide comme un roc. On va en mettre un là. Voilà. Encore, j'en ai. Oh là là. Alors, solide comme un roc, sportif, non. On va mettre survivant. Survivant, c'est. Ouais, on va mettre un là. Niveau 2. Solide comme un chêne. On va mettre un là. Il n'y en a plus. Et en artisanat. Donc, connaissance en artisanat, on va en mettre. C'est au poste de la forge et de l'atelier. Connaissance en couture. Ok. Connaissance en cuisine. Alors, après, on pourrait regarder. Niveau 2, constructeur. 5 plus lentes de perte de durabilité du marteau. Ou homme à tout faire. Amélioration. On va mettre un là. Et en 3, niveau 3, 10% de fabrication plus rapide à l'atelier et à la forge. Expert en couture, 10% de fabrication plus rapide à la couture. Ben, je pense que les autres points, pour l'instant, je vais les mettre là. Et au niveau de la couture. Voilà. Donc au niveau des technologies, des points, du moins, c'est bon. Oui, donc dans un commentaire, on m'avait dit que ce n'était pas la peine de faire l'atelier. Alors, je voudrais quand même vérifier parce que ça me surprend un petit peu. Alors, l'atelier, il est là. L'abri à bois, non. L'atelier, il est où? Je ne sais plus. En artisanat, ce peut-être. Ouais, l'atelier. Donc, dans l'atelier, on a les bols. Et on m'a dit que dans la forge, il y aurait les bols aussi. Pas du tout. Forge niveau 1, en tout cas, il n'y est pas. Il n'y a pas les bols. Dans la forge 2, il n'y a pas les bols. Donc, faux pour le commentaire. Donc, on est bien obligé de faire l'atelier pour avoir les bols. Donc, on va se faire l'atelier en priorité et on débloquera les points de technologie. Ensuite, au niveau de l'inventaire, donc, on voit bien la durabilité des choses. Et on ne peut donc plus vendre tout ce qui est mine pertuis, bâton, bûche. La pierre, l'argile, la paille, le plantain, le mine-pertuis et les bébés. On va être malheureux avec tout ça. Ok. Donc ici, j'ai quoi? Alors. Toc, 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 toc. Ben, on va peut-être prendre ça. On va le faire nous-mêmes. Alors, ici, ben non, 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 c'est des tiges de lin, donc directement dans la couture, mais est-ce qu'elle va... Il faut qu'on mette aussi les différents outils pour qu'ils travaillent. Alors ici, dans la couture, est-ce qu'on a la place de les ranger, les tiges de lin. Est-ce qu'ils vont vouloir FEF? Oui, la fourrure. Non, il n'y a plus de place. Les bâtons, il y en a 149. Ok. Alors, vu qu'on ne peut plus vendre le mille-pertuis, je pense que le mieux est de le ranger dans le stockage. C'est pas ici. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des bols en bois. Un bol en bois. Alors, ça, c'est celui qu'on avait volé, je crois. Hein. F. On va tout prendre. D. Voilà. Accepter. On va prendre le bol en bois. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Le mille-pertuis, ben, on n'en a plus besoin puisqu'on ne peut pas le vendre. Le plantain, on en a besoin, ce qui nous redonne de la vie. La fourrure,
Hop, on va la mettre là-dedans. Les bâtons, ben on ne peut plus les vendre non plus. Donc, autant les laisser là. Voilà. Ensuite, les champignons et tout ça. Le bol est quand même usé à 10%, mais bon. Donc, il va falloir qu'on fasse... Alors, j'en suis à combien? 21 kg quand même sur moi. On va aller poser ça là-bas. Par contre, on va faire l'atelier, donc, puisqu'on a besoin maintenant des décorations. Donc, je crois que c'est 8. 8. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre 10 comme ça. Hop, accepté. Et le bol, on va le mettre dans la taverne. Il va falloir s'occuper aussi de mettre les outils. Alors, on va les laisser faire un petit peu pour voir s'ils bossent sans les outils. Là, je ne les ai pas mis. Donc, on va voir ça. Donc, dans la taverne, on va mettre tout ce qui est le bol. Là. En sachant que c'est la taverne 1. Hop. F. E. Et F, voilà, comme ça je les ai plus sur moi. Donc on va poser l'atelier. Donc dans la forge, on ne peut pas faire ce qui est décoration. Ok. Alors ici, on ne peut pas. Bon, là, elle a l'air de bosser malgré qu'elle n'ait pas les outils. Donc on fait le tour. Ici, elle, elle bosse. Elle est ici. Donc on verra si on a des pierres, etc. qui arrivent. Ou s'il faut lui mettre une pioche. On verra tout ça. Ici, au niveau de la couture, l'épouse travaille. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Au niveau des chasseurs, on n'a pas l'air d'avoir de demande. On a une quête ici chez nous. On a la Ghostavia. Ensuite, au niveau du journal, par contre... On en est où? Histoire d'Halloween, attendre les autres événements. Halloween, il faut aller lui parler. Rien au niveau des quêtes secondaires, pas de défi. Et là, il faut qu'on obtienne au moins 850. Il faut qu'on obtienne 1000. Et on a 850 de réputation. Alors, toukoutouk, management. Ok, on aura 875 de dettes. Boîte chauffage, 506. On verra ça plus tard. Donc, qui c'est qui a une quête chez moi, là? Il y a quelqu'un, hein, mais où? Alors, elle, elle plante, hein, c'est bon. Bon, j'ai rien changé au niveau du jardin. Voilà, elle fait son petit boulot. Je vais regarder si au niveau de la grange, j'en ai toujours de l'engrais. Et des graines, je ne suis toujours pas allé chercher les graines qui nous manquaient. Hein. Ouais, de l'engrais, ils en ont 10, ça fait pas beaucoup. Et ça fait pas beaucoup du tout. Mais bon. Alors, on va faire avec ce qu'on a. Donc ici, ça a l'air de bosser quand même. Alors, est-ce qu'on aura quelque chose en fin de journée? C'est ça que je veux voir. Sans mettre les outils, si on a quelque chose. Et ensuite, on a une quête d'un de nos villageois qui est... Je pense que c'est le chasseur. Non, peut-être pas. Alors, attendez. Hop, j'ai oublié que c'était aussi à la manette à ce jeu. Non, éteins ta torche. Il est où? C'est vrai que le bûcheron... Non, c'est bien le chasseur. Est-ce qu'elle va me lancer un défi de chasse? Je ne sais pas. Donc là, je vais volontairement laisser sans mettre les outils dans les ateliers pour voir s'ils bossent ou s'ils font vraiment rien. Alors, arrête de bouger. Ah, le cochon va m'attaquer. Le sanglier, pardon. Je vais lui laisser le...
le tuer. S'il met pas 3 jours à le faire. Bon, au dos. Je sais pas sur quoi tu tires, mais bon, enfin bref. Non, 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 me fais pas rapprocher trop du... ici. Alors, puis-je... Avez-vous une minute? Hop. J'ai pris plus 2. Avez-vous une minute? Le travail. J'aime ce que je fais, nickel. Le cochon va m'attaquer. Avez-vous une minute? Non, peu importe. Puis-je vous aider? Alors, je reviendrai avec de la nourriture. Allez, go. Occupe-toi du cochon. On va voir si en fin de journée, on a vraiment des choses qui se sont passées ou pas du tout. Alors, est-ce qu'on a des choses à réparer? Ça serait bien de le voir aussi. Alors, ici... Donc, il est parti quand même assez loin, chasser. C'est bien. C'est top. Alors, il n'y a rien à réparer apparemment. J'ai pas d'abri ou quoi que ce soit endommagé. Alors, inventaire, le journal. Donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Chasseur affamé. Il veut 10... Il veut un morceau de viande et de la chair de poisson. Super, je n'ai pas la cabane de pêche. Donc ça va être une quête fail, ça. Ok, ben on va aller construire notre atelier. Que l'on pourrait mettre, écoutez, ici. Ah, il y a le champ. Alors, où c'est qu'on peut mettre ça? Réfléchissons, réfléchissons. Peut-être ici. S'il veut bien passer. Là, ça pourrait le faire. Mais avec la petite butte, hein, je sais pas. Alors, on a aussi un changement au niveau de la roue. Ils ont fait catégorie, sous-catégorie, etc. Donc, on va aller dans les bâtiments. C'est là où maintenant, ça se complique. Faut trouver des endroits. Alors artisanat, donc voilà, moi je veux l'atelier. Ok, ben, ça passe, c'est nickel. On va le mettre un petit peu, ben voilà. Donc qu'est ce qu'il nous faut? Il nous faut des bâtons. On va mettre déjà le rondin. Donc il nous faut 16 bâtons, un rondin, 24 bâtons, 24 bâtons, et là-haut c'est quoi? De la paille et des rondins. Alors des rondins, des bâtons, on va profiter que c'est l'hiver, hein, on va les ramasser au sol. C'est ce que l'on a de mieux à faire. Alors évidemment on va pas pouvoir regarder tout ce qui est animaux puisque on n'est pas dans une partie où on a déjà les animaux. Par contre, on va essayer de chercher ce fameux PNJ qu'on mettra effectivement à l'abri d'extraction. Dans l'atelier, je veux dire. Pour qu'il fasse les bols et tout ça pour la cuisine. Alors, hop. Les petits bâtonnets, on ramasse. De toute façon, c'est pas perdu, ça sert. Alors, je vais peut-être perdre une journée du fait que je teste avec vous pour voir si effectivement les outils sont super impératifs ou pas du tout. Parce que s'ils me construisent quand même des choses, mais bon, s'ils ont dit qu'il fallait le mettre, je pense que je vais perdre une journée, mais c'est pas bien grave. Puisqu'on est là pour tester. Ok. Alors, on va aller construire notre petit bâtiment là-bas.
Alors effectivement, on peut le constater, ils ont bien changé de tenue maintenant pour aller travailler. Ça avait été dit dans la mage. Donc effectivement, vous voyez, ils ont des nouvelles tenues pour aller bosser. Donc ça, on est bon de ce côté-là. Il n'y a pas de problème, pas de bug, pas de complications. Allez, on va aller mettre là les bâtons. Donc il va nous manquer un rondin. Il nous manque, ouais, c'est tout. Et après, il nous faut de la paille. Alors, il nous faut un rondin. On va dire, allez, 4-5 rondins et de la paille. Alors, elle fait bien les affaires qui se mettent là, hein. Donc 4 ou 5 rondins, on a dit, et de la paille. Alors, on va prendre la paille qui est là. Ça fera de la place. Et on va prendre 5 rondins. Je pense que ça devrait aller. 3, 4, 5 et 6. Accepté. Et on va ramasser de la paille après. Histoire de monter le niveau. On va pas prendre la paille de notre épouse. La journée est déjà passée. Il travaille pas beaucoup, hein, je trouve quand même. Mais bon. Alors ici. Ici. Ok, donc il nous manque 5 pailles. 13 pailles ou 14 pailles et un rondin. Alors, on va aller chercher de la paille, c'est pas le problème. Je n'avais pas à côté de chez moi, pourtant il me semblait. C'était en face. On va en ramasser quand même pas mal de façon à avoir de quoi dans l'entrepôt, avoir un maximum de paille pour réparer sans avoir à toucher la paille de notre épouse qui fait les chapeaux, etc. Alors, ici, allez, on est parti. Là, on collecte un maximum. Et donc, il faudra qu'on trouve un PNJ. Si on arrive à trouver un PNJ qui est niveau 3 chasse et niveau 3 au niveau de... Faut regarder pour l'atelier. Ça serait nickel si on pouvait trouver un PNJ qui a ces deux compétences. Mais il faut pas être trop gourmand. Je crois que ça va pas se faire tout seul. Et pas en un jour, je ne pense pas. On va monter jusqu'à 100. On en a à 61. Je suis pas du tout allée voir dans le stockage de nourriture pour voir s'il y avait de la nourriture. Mais bon, en attendant, on peut nous-mêmes faire les bols. Et on va d'ailleurs les regarder aussi après, une fois qu'il est construit. On va regarder dedans. Voilà, on en a 101. On va regarder dedans ce qu'il nous faut exactement pour les bols et tout.
Allez, un petit cross. Alors, je vous le rappelle, hein, comme je suis en live, au niveau du chat, si vous venez, vous pouvez poser vos questions. Mais voilà, ça risque d'être un épisode un petit peu plus long que d'habitude, puisque c'est en live et non pas un épisode que je filme. Donc, et après que je vous reposte directement YouTube, donc ça risque d'être un petit peu plus long. C'est l'avantage de Twitch, parce qu'on est, comme je vous l'ai expliqué, on n'est pas du tout pressé. Et si vous avez des questions, c'était, puisque quand vous allez voir la vidéo, je l'aurai repostée. Donc, c'était le bon moment pour venir me les poser. Comme ça, je pouvais vous montrer en direct. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ici, dans le coffre, on va regarder ce qu'il nous faut. Alors, on peut faire les outils en bois. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a dans la forge. Les outils en pierre, on l'a dans la forge, sauf ceci. C'est-à-dire que les pierres, vous pouvez les transformer. Une pierre, vous pouvez, par exemple, on va le faire. Je pense que ça, on va le tester. Mais je pense qu'on peut les revendre, les pierres de G. Puisqu'elles sont transformées de pierres basiques en armes. Ok, donc on a la faucille en pierre. Ok, il faudrait des bâtons. Il faut des bâtons et des pierres. Donc ça, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, c'est les arcs. Ok. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est décoration. Alors, les bols. Les bols, pour faire des bols, il nous faut des rondins. D'accord. En fait, toutes les décorations dites assiettes, bols, etc. sont des rondins. Eh bien, les cuillères, c'est des bâtons. L'osier, les sacs d'osier, etc. Bâton, donc bâton et bûche en fait. Hein. Bâton et bûche pour l'atelier en tout cas. Ok, rondin. D'accord. Bon, alors bâton et rondin. On va aller chercher ça. On va aller le mettre là. Voilà, c'est là. Si, c'est mon entrepôt ça. Hop. On va prendre quelques bûches. Bref, on va en prendre, on va dire, une 100 kilos. Non, il ne le porte pas. J'ai 20 kilos de possible. En galérant un petit peu. 9, 10. Je vais ramer un peu. J'ai même pas bougé du tout, je pense. Ouais, je suis trop lourde. Qu'est-ce que je peux poser? La paille. Voilà. FEF 12 rondins, non, donc on va en poser. Je suis en jaune là. Des bâtons, j'en ai sur moi. Combien j'en ai? J'en ai 42, donc c'est bon. Bâton rondin, donc c'est tout ce qu'il faut pour l'instant. Et on va regarder pour la faucille, qu'est-ce qu'il lui fallait de plus. Donc, on va mettre dans le coffre. Alors, on va mettre dans le coffre les rondins et les bâtons. Voilà. Ensuite, on a une viande qui ne va pas tarder à mourir. On va aller jeter un coup d'œil au niveau du stockage de nourriture. Voir s'il y a de la viande. Alors, on va mettre les champis dedans, là. Bon, alors, les champignons, vous pouvez les revendre. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, là, je suis au max. Donc, au niveau viande. Ok. Bon, ça va. C'est pas énorme. Donc, on va mettre ça là. Hop. Échappe. Viens là. Il est fou le truc, il veut pas me mettre la viande, hein. Méchant.
Alors, on va aller voir si on peut vendre. On regardera si on peut vendre les pierres de G. C'est bon à savoir. Ici, est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors, d'abord, est-ce qu'on l'a configuré? C'est ça, parce qu'elle est peut-être là, mais elle ne fait rien. Alors, inventaire. Sachant qu'elle, de toute façon, elle ne bouge pas. Elle reste devant son coffre comme si elle allait à la mine. Alors, ici. Donc, au niveau de la grange. Regardons, faisons le point. Au niveau de la grange, donc, il faut avoir une compétence agriculture assez élevée. Donc là, on est bon. Ensuite, pas de travailleur à l'atelier, ça on le sait. Donc je voulais la brie d'excavation. Je crois que oui, on l'avait fait. Donc il faut une compétence de mineur, donc d'extraction. Et oui, on lui avait demandé de ramener des pierres. Non. Ça, c'est pas du tout ce que je t'avais demandé. Les pierres, là, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, nous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de calcaire. On va mettre 95% de calcaire. Et on va mettre, voilà, voilà, les 5 de pierre. Voilà, donc elle ne bosse pas vite, hein, mais bon. L'atelier, donc taverne, pas de travailleurs, c'est normal. Donc, pour l'instant, c'est bon. Au niveau du management, ok. Ici, donc Albreda qu'on a recruté dernièrement, ouais, son bonheur monte. Tout le monde est heureux, tout le monde il est content. Au niveau des maisons, c'est bon. Le champ, c'est bon. Et au niveau des animaux, on n'en a pas encore. Alors, ensuite. Ici, ça bosse. Alors, ce que je voudrais voir, c'est au niveau du bûcheron. Bûcheron, nous, on veut que des logs, hein. On veut pas de bois de chauffage, etc. Ah, du rondin, du sel, elle nous a fait, d'accord. Ok, donc elle bosse en fait. Donc on va regarder, on a 6 rondins et 3 sels. On va voir si ça fait quelque chose. Et au niveau du chasseur. Ah oui, il m'a demandé à manger, lui, j'ai oublié. Inventaire, geste, journal. Hop. Il faudra qu'on aille parler aussi. F. Ah oui, non, mais j'avais dit, chair de poisson, j'en ai pas. Alors, on va aller voir chez Unighost. Comme ça, le temps va passer, le temps d'aller là-bas. Si on peut revendre ces pierres qui sont en fait un petit peu faites normalement pour les frondes, mais on n'a pas la fronde. Donc, ils ont ressorti aussi, ils avaient enlevé le bruit de quand il est essoufflé. Est-ce qu'ils l'ont remis? J'essaie de voir de le pousser, le pauvre. Non, ils l'ont relaissé. Il l'avait enlevé, c'était bien. On n'avait plus l'impression qu'il était asthmatique, ce pauvre homme. Ok. Allez, on avance. Tu y es presque. J'ai pas regardé. Management. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pour l'atelier, puisqu'il nous faut un homme. Alors, l'atelier. Donc il faut un artisanat. Donc il nous faut un monsieur, de toute façon, qui soit en artisanat ou on avait dit en chasse. On va voir ce qu'on trouve en niveau 3. Qui irait bien. On va commencer par chez Unighost. Ça sera peut-être le bon moment, quoique c'est l'hiver. Tiens, mais je suis passée par là. Hop. Je suis passée par là. Allez, ça va être compliqué de gagner des sous, hein. Très très compliqué. Alors, on va déjà aller voir à la vendeuse si on peut. Alors, elle est où? Voir si on peut vendre donc ces pierres de G. Donc, elle est en train de revenir à sa taverne. Et on va en profiter pour parler à Alvin aussi. Elle m'a fait un virage à 70 degrés. Montrez-moi vos marchandises.
Alors, est-ce que les pierres de jet, normalement oui, puisque c'est un objet qu'on a pris de matière première, qu'on a transformé. Donc oui, normalement, on doit pouvoir lui vendre. F, voilà. Et ça se vend une petite pierre, une pièce. Donc d'une pierre, vous pouvez en faire 5, 15. Ouais, 15. Donc, eh bien, très bien. F, on lui vend tout. 15 pièces, c'est déjà bon. Alors, toc, 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 toc. Ici, on est bon. On va discuter pour monter la diplomatie. Comment allez-vous? Ah, elle se tourne plus maintenant quand on lui parle. Je suis splendide. Ah, avez-vous vu ce noble? Quelle journée? Ta, 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 ta. Bon, hop, on s'en va. Bon, donc les pierres de jet, on peut les vendre. C'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'ici, on peut les recruter maintenant qu'ils bougent tout le temps? Ici, Helmut. Non, Tomira. C'est pas bon. Donc, on va aller autour du feu. Alors, un homme, un homme, un homme, un homme. Je crois qu'on n'avait rien d'extraordinaire ici. Apparemment, là, il n'y a que des dames. Et nous, il nous faut un homme, puisqu'on a recruté une jeune femme. Donc, il faut faire le couple. Ça m'arrange pas vraiment cette affaire-là. Donc, oui, Alvin. Alvin, 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 Alvin. On va le mettre. Inventaire. Journal. Quête d'Alvin. Hop. Ok. Donc, il est où? Donc là, la quête, elle va être fail. Dans le sens où je n'ai pas de poisson. Alors, si on trouve un PNJ niveau 3, poisson, on dira. Et toujours là, lui. Ok. C'est là qu'il va me lancer le défi. Comment cela se passe-t-il avec vos entraînements? Je parie que je peux vous battre maintenant. Quelle confiance, très bien, je prends le pari, combien? Pour 100 pièces, nous avons 3 coups. Celui qui obtient le plus de points gagne. On fera ça plus tard. La quête d'Alvin, on la fera un petit peu plus tard. On en a une autre ici. On va attendre que l'hiver soit passé et qu'on ait payé nos taxes. Parce que sinon, on va avoir un problème. Alors, il y a une autre quête. Alors, c'est qui l'aurait? On va manger un petit bout. Parce que la viande va se perdre, sinon elle va être périmée ici. Donc, on va la manger. Je vérifie que je m'empoisonne pas. Hop. On va aller boire un petit coup. Alors, regardez autour du feu, qui c'est qu'il y a? Parce que la quête d'Alvin, si on la fait maintenant, avant d'arriver de le battre, ça va être chaud. Voilà, on n'est pas trop mal. On va peut-être aller en face voir de l'autre côté là-bas, si, puisqu'on a des flèches de toute façon sur nous. Des lances, je veux dire. F. Hop, on va les mettre là. Comme ça, si je viens à chasser pour une raison X ou Y, on pourra voir si effectivement, au niveau de la précision de la lance, ils ont bien amélioré les choses ou pas. On va aller voir à Borovo en face si il y a des PNJ niveau 3. Sinon, on ira à Baranica et Branica. Je le fais sprinter. Allez. Pas toujours évident de trouver des PNJ niveau 3, mais il faut prendre son temps. Vous avez vu, depuis le début, on prend notre temps, on a quand même des bons PNJ. Donc, et on a eu la chance quand j'étais malade là, et que je me suis retrouvée à devoir construire la maison en urgence. On a eu de la chance que ce soit une qui était niveau 3 dans ce qu'on voulait, quoi. Donc ici, il y a du monde autour du feu, c'est très bien. Ici, il y a deux messieurs. Alors, on a dit artisanat, hein, artisanat 3. Alors,
Ça, c'est un petit peu chevauché. Alors, il est 3 en pêche et 3 en artisanat au niveau de lui. Et lui, il est. Ça se chevauche. Ah, celui-là m'intéresse. Extraction plus. Voilà. Alors, il est à 50%. On va discuter. Avez-vous une minute? Hop, plus 2. Et on peut le recruter tout de suite. Nickel. Comment allez-vous? Plus 10. Avez-vous une minute? Mais écoutez, on va le recruter tout de suite. Alors, avant, pour ne pas faire la même erreur, je vais aller voir mon management. Donc, j'ai donc Albreda qui a 20 ans et elle est mineure. Qui est toute seule. On est d'accord. Donc, 20 ans, Albreda, et elle est à l'abri d'extraction. Et nous, on veut le mettre ici au niveau de l'atelier. Et pour l'atelier, il faut qu'il soit en artisanat. Et c'est bon, niveau 3. Alors, attendez, j'ai vu une nouvelle chose qui est apparue. Alors, management, c'était dans les bâtiments. Alors, l'atelier F. Alors, il lui faudra un maillet pour travailler. D'accord, ok. Pas de travailleur. Ok, il faudra lui mettre un maillet. Allez. Je suis en train de créer une nouvelle colonie. Et quel âge y a-t-il? 25. C'est bon. Je ne vous connais pas encore assez. Tu te moques de moi. On va mettre ça, mais moins 5. Voilà, c'est mort. Bon, on a trouvé notre futur. Celui qu'il nous faut. Hein. Je suis en train d'un. Il veut toujours pas. Il demande 70. Ok. Bon, ce qui ne nous empêche pas de discuter avec l'autre. Avez-vous des conseils? Non. Ok. Il boude celui-là aussi. Alors ici, on a quoi? Bon, pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. On a discuté avec tout le monde. Non. Ida, elle va se coucher. Ici. Non, 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 j'ai encore fait la même erreur. Alors attendez, j'ai pas sauvegardé. Ce que je vais faire, je vais couper le jeu à l'arrache. Alors c'est un truc qu'il ne faut pas faire, mais je vais couper le jeu à l'arrache. Alt, tab, quitter. Fermer la fenêtre. Voilà. Parce que là, j'avais encore fait la même boulette. J'ai lancé en fait, enfin, en appuyant trop vite sur la manette. La bêtise que j'ai faite, c'est tout simplement de l'avoir recruté. Et je n'ai pas de place, je n'ai pas de maison et je ne sais même pas quel niveau aller. Donc il faut vraiment que j'appuie beaucoup plus doucement au niveau de la manette. Bon, c'est pas grave. On n'a pas sauvegardé. Donc c'est pas gênant. Et la nuit, la saison n'étant pas terminée, normalement, on devrait repartir sans avoir le problème avec elle. Je l'espère, en tout cas. Sinon, on est dans la panade, hein, encore une fois. C'est vrai que j'ai tendance à appuyer très très vite avec la manette et c'est pas fait exprès. Mais continuez. Voilà. Alors, est-ce qu'on va se retrouver au jour 1, comme si on n'avait rien fait. On va voir si l'atelier est construit et que ça a sauvegardé. Sinon, ben, on va le construire à nouveau. Comme quoi, hein, j'ai plus ma bronchite, mais je fais encore des bêtises. Alors, il se télécharge petit à petit. Alors, est-ce qu'on va avoir l'atelier qui est construit ou pas du tout? Non, ça n'a rien sauvegardé. Tant mieux. Alors, on est reparti. Donc, on reconstruit l'atelier. Oh là 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 là, la catastrophe. Alors, on avait 10 planches. 10 rondins, plutôt. F.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, la paille. Oui, non, mais là, je n'avance plus. Alors, le mille-pertuis, je vais mettre là-dedans. Alors, là, c'est bon. Ah oui, mais j'avance pas du tout, du tout, du tout. Hop. Alors, hop. C'est toujours aussi lourde, hein, la fourrure. On va la mettre là-dedans. Toc, 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 toc. Toi, c'est bon. Bon, j'avance pas très vite, mais bon. Alors, on va construire l'atelier. Puisqu'on a pu voir que dans la forge, il n'est pas possible de faire les outils en bois. Donc, on va construire l'atelier. Donc, une fois de plus, un mauvais commentaire hein, qui disait qu'il fallait mettre, qu'on était bon avec la forge pour faire les bols et tout. Pas du tout. Donc, on va faire l'atelier tranquillement. Il est ici. Donc, on va le mettre à peu près... ici. Alors, il a disparu. Pourquoi? Je sais pas. Hop. On va le coller un peu. Comme ceci, voilà. Alors il nous faut des rondins, des bâtons, on a vu, on va les placer là. Ok, donc il nous faut des rondins, des bâtons, de la paille, enfin il nous faut beaucoup de choses. Alors des bâtons, on va profiter que c'est l'hiver. Hop. C'est tout ce qu'on trouve. On a de la paille. Normalement, dans notre stockage, on a un petit peu. On va éviter de prendre la paille de notre épouse pour son travail. Alors, on va prendre 19 pailles, on n'en aura peut-être pas assez. Et donc, des bâtons, j'en ai, je viens de ramasser. Donc, la pierre là, on va la mettre là. Toc, 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 tout le reste, c'est bon, on le garde sur nous. Donc, la paille, je l'ai pris. Les rondins, il nous en faut encore, on va dire, F. On va dire 6. Voilà. Hop. Donc elle, elle fait bien son boulot. On n'a pas de problème de ce côté-là. On va construire tranquillement notre atelier. Et on va regarder donc qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les bols, etc. Alors ici, 8 pailles. Ok. Ici, 8 pailles. Hop. Il va falloir qu'on aille en chercher. Les pailles, c'est en face. Hein. On n'en a pas juste à côté de la maison. Bon, un petit coup en passant. Voilà.
Donc on a récolté une petite centaine de pailles pour les avoir d'avance. Ça va nous faire monter de toute façon l'XP. Notre but étant de voir si du fait qu'ils n'ont pas les outils, ils vont pouvoir travailler ou pas, ou si on n'a rien à la fin de la journée. Alors ça peut être quitte ou double, journée perdue pour moi. Mais bon, je préfère test. On est là pour ça, pour voir donc ces nouveautés suite aux mises à jour et les mettre en application. Puisque vous étiez au niveau des commentaires assez nombreux à vous contredire. Des informations venaient, mais c'était un disait blanc, l'autre disait noir. Donc autant le vérifier directement dans la partie. Donc, de toute façon, la paille, il nous en faut. Il nous en faut pour réparer les toits tant qu'on ne les a pas en argile. Il nous en faut aussi pour notre épouse qui travaille la paille. Et là, il en faut pour le toit. Ça, la paille, on en a toujours besoin. On n'est pas loin hein, pour venir en chercher, mais bon. Tant qu'à faire, voilà, on va dire, allez, 115, voilà. On va aller à 120, un chiffre rond. 117, 119, 121, tant pis, pas chiffre rond. Allez, on va retraverser, on va aller poser ça. On va construire notre atelier. Alors c'est un petit peu dommage de le construire maintenant, mais on va aller chercher un PNJ niveau 3. Et puis on le placera directement dans l'atelier. Comme ça fera le PNJ homme qui nous manquait pour la dernière qu'on avait recrutée dans l'épisode précédent en perte et fracas. Comme ça, elle aura son compagnon. Et on verra après au niveau des taxes, parce que ça va nous ajouter des taxes. Et maintenant, on ne peut plus vendre tout ce qu'on vendait avant. Alors, on va finir de placer notre paille. On ira la ranger. Voilà. Ici. Ok. Donc ça, c'est fini. On va regarder ici. Donc, au niveau de l'atelier, donc on a bien les outils en bois. Comme dans la forge, ça n'a pas changé dans le seau ici, qu'on n'a pas déverrouillé. Mais ça, comme je vous l'avais dit, c'est dans la taverne quand on fait des plats un petit peu plus poussés. Ici, les outils en pierre, la seule chose qu'on pourrait faire qui est intéressante, c'est ceci à revendre. C'est-à-dire qu'avec une pierre, ben, vous en obtenez 3 ou 4 et vous pouvez ça les revendre puisque d'une pierre, vous l'avez transformée en pierre 2G, c'est-à-dire ce qu'on lance avec les frondes normalement. Mais là, on n'a pas la fronde, c'est juste la pierre à lancer. Mais ça, on peut le revendre. Puisqu'on ne peut plus vendre le millepertuis, je vous le rappelle. Tout ce qui est millepertuis, bâton, bûche, pierre, argile, paille, plantain et les baies, on ne peut plus les vendre. Donc, va falloir d'autres. C'est les outils qui vont nous aider, et ainsi que les plats. Donc ici, on a les arcs et les flèches. Et ici, donc, on a tout ce qui est décoration. Alors, nous, ce qui nous intéressait pour la taverne, pour faire les plats au niveau du feu du char, du, oh, je vais y arriver, de la marmite au-dessus du bois, ben, il nous fallait des bols maintenant. Donc, les bols, c'est des rondins. Là, c'est des rondins. Des bâtons, pardon. Bâtons, bâtons, rondins. Bâtons, 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 bâtons. Ouais, c'est que des bâtons et des rondins. Ben, on va lui mettre ça. Parce qu'après, on va partir à la chasse de notre PNJ qui va s'occuper de ça. Hein. Donc, allez, on lui met ça. Donc, autre chose que je voulais voir. Voilà, oui, les tenues, vous voyez, ont bien changé quand ils vont travailler. Ça, c'est validé. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, hop. Alors, on va regarder une chose au niveau du management. Ah oui, j'ai les compétences aussi à remettre tout partout. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, on a les connaissances en extraction. Ben, on va mettre un point ici.
Ensuite, un chasseur de trésors. On va, déjà, on a un niveau 1, on va placer un niveau 2. Force de la nature, les haches plus lentes. Ou la perte de durabilité plus lente pour les pioches et les pelles. Non, on va mettre là. Et donc cumule, comme ça, on a un petit peu plus de. Hop, mineur prudent. 15% de plus de chance pour les ressources supplémentaires extraites des gisements. Je regarde ça. De toute façon, les niveaux 4 ne m'intéressent pas. Mettre des fouilles. On perd moins d'énergie lors de l'exploitation forestière, du minage et du creusage. Alors, ça pourrait être intéressant de le mettre là pour reconnaître le fer. Et mettre des fouilles. 10% de la consommation d'énergie. Réduction de 10% de la consommation d'énergie lors de l'exploitation forestière, minière et creusage. D'accord, oui, non, mais ça, c'est pas vraiment important. Alors, faire un avec la terre. Durabilité plus lente des pioches et des pierres. On va mettre. Et chasseur de trésors, c'est. Donc dans la fosse avec l'argile, mais moi l'argile je l'utilise pas. Donc hop, on va faire comme ça. Ici, au niveau de la chasse, on va mettre de la connaissance en chasse. Évidemment, tracker. Niveau 3. Qu'est-ce qu'on a? 15% de chance en plus pour les ressources supplémentaires extraites des animaux sauvages. Chasseur expérimenté, perte de durabilité des armes de mêlée à distance 5% plus lente. Mettre des pièges. Plus une limite de piège plus importante, donc on pourrait poser plus de pièges. Alors, chasseur attentif. Là, je ne sais pas trop. On va mettre là. Et ça, l'arc, l'arbalète, la lance, voilà, la stabilité. On va tester. Ah, je peux pas, j'ai plus de points. Je voulais tester la stabilité, mais on verra ça. Alors, connaissance en diplomatie, oui. Diplomate, 20% de réputation, bien sûr. Ensuite, niveau 2, on a ça qui est en cours. Le troc, 10% de meilleur prix de vente et d'achat. Alors, bien sûr qu'on le prend. Ensuite, on n'a plus de points. Au niveau de la survie, ben, on va mettre ça. Niveau 2, sens de la survie, sans il nous le faut, c'est le tracker. Niveau 3, 10% de perte plus lente de nourriture et d'eau. Blocage, ça m'intéresse pas. Et là, niveau 4, on aurait quoi? 10% de dégâts en moins. Alors, il nous faut en mettre un dans le niveau 3. 10% plus. Bon, on va mettre. Et point de rupture, c'est blocage. D'accord. Donc, on va mettre là. Ensuite, on va mettre en niveau 4. Réduction de la consommation d'endurance pendant les déplacements. Non. Solide comme un roc. Voilà. On va le mettre là, les autres. On prendra moins de dégâts. 30% de dégâts en moins. Et on va mettre l'autre ici. Hop, on en a encore. Et bien dans les dégâts. Voilà. Encore, mon Dieu. Survivant. Voilà. Et solide comme un roc, niveau 4. Réduction. Bon, on va mettre là. Voilà. Et niveau artisanat, on va mettre dans la connaissance. On va mettre connaissance en. Cuisine, puisque c'est nous. Alors, constructeur niveau 5% plus lente de la perte de la durabilité du marteau. Il faut déjà qu'on en place un dans le niveau 2. Alors, WOM à tout faire. On va en mettre un là. Dans les niveaux 3, on a quoi? Expert en couture, 10% de fabrication plus rapide à la couture. Oui, parce que c'est ça qui va quand même nous rapporter, je pense, ou l'artisanat peut-être. Niveau 3, on va mettre
L'atelier La Forge. Allez, ça, je pense que ça sera bien ça. Niveau 4, on a quoi? Construction de modules 10% plus rapide, empilage jusqu'à 1. La traduction ne doit pas être terrible. 5% de consommation d'endurance en moins pendant la construction. Bon, niveau 4, là, ça vaut pas trop le coup. Écoutez, on va mettre l'artisanat, on va mettre des points là. Voilà, comme ça. Donc, ce que je voulais voir, c'est dans management. Donc, Albreda, qu'on avait recruté, monte doucement son bonheur. Voilà, alors, je voulais voir. Donc, au niveau de l'abri à bois, ici, donc, l'abri à bois, il faut... Alors là, je vais me permettre de prendre un papier et un crayon. Donc, il faut que je mette une hache en pierre. Voilà, une hache en pierre. Excusez mon chat. Donc, à l'abri à bois. D'accord. Ensuite, donc ça nous note, hein, de toute façon, à chaque fois, dans chacun. Alors ça, c'est bien. Ça, c'était pas précisé. On l'avait vu quand je vous avais proposé, montré la mise à jour. Mais vous voyez, là, ça le marque, ce qui a besoin. Donc, c'est très bien. À l'abri d'excavation, par contre. Alors, hop, je reviens là, s'il vous plaît. Échappe. Échappe. Abri d'excavation, F. Donc, à l'abri d'excavation. Alors, c'est, on va peut-être rien avoir. Hein, là. Alors, il faut une pioche et une pelle. Voilà. À condition qu'on ait mis... Si vous avez mis l'argile, si vous n'avez pas mis d'argile, vous n'avez pas besoin de mettre la pelle. Mais bon, nous, on va en mettre une à l'abri excavation. De toute façon, la pelle, on l'a. Ensuite, donc c'est bien qu'il l'ait marqué comme ça. Échappe, échappe à la grange. F. Alors, on nous demande de quoi en outil? Rien du tout. Voilà, rien du tout au niveau des outils dans la grange. D'accord. Alors, hop. Au niveau du pavillon de chasse, on nous demande un couteau. Ça, ça nous avait été dit par je ne sais plus qui. Un couteau dans le pavillon de chasse. Pavillon chasse. Ok. Donc là, ça avait été une bonne info, contrairement à l'autre personne qui avait dit que dans la forge, on pouvait faire les objets d'artisanat. On a vu que c'était faux. Donc, voilà. Donc, faites attention à ce qui est noté. Alors, au niveau de la forge, il faut mettre un maillet dans la forge. Un maillet dans la forge pour qu'elle puisse travailler. Sinon, elle va travailler dans le vide. Même si vous la voyez taper, c'est pas pour autant qu'elle travaille. Alors, hop, échappe, échappe. Je vais aller dans l'atelier. L'atelier, il faut un maillet aussi. Donc, ça fait deux maillets en bois qu'il faut faire. Atelier, un maillet. Ok. Mais on va avoir un travailleur très vite. Échappe. Dans la couture, je pense pas qu'il y ait besoin de quelque chose. On nous a pas encore mis, comme je vous avais dit dans l'épisode, hein, sur YouTube, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit au niveau de la couture, mais ils vont bien trouver à nous mettre les aiguilles. On a les fils, pourquoi pas les aiguilles? Et au niveau de l'auberge, il n'y a absolument rien de marqué. D'accord, donc on a quand même tout ça à faire. Ok, donc là, elle travaille dans le vide, je pense. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va aller dans l'atelier. Donc, on avait dit des bâtons et des bûches. Donc, on va aller les mettre. Hop. On va aller chercher quelques bûches. Des bâtons. Alors, on va en profiter pour prendre la pelle. Hein, on en a deux. Donc, pelle. On va prendre des bâtons. Ici. F, F. On va prendre des rondins. On va prendre... Combien j'en suis? 30. J'ai droit à 10 kilos. Allez, hop, 8. Voilà, accepté. Ça fait 4 bâtons. C'est pas beaucoup, hein, mais bon. Alors. Ici. Voilà. On va lui mettre donc...
On a dit qu'à l'atelier, il fallait un maillet. Donc on va faire un maillet en bois, je ne vais pas lui donner le mien. Parce qu'il faut un maillet à 100%. Donc on va lui mettre les bâtons. Voilà. Et un rondin. Ok. Ça c'est fait. La paille. Notre chère et tendre épouse a-t-elle besoin de paille tant que je suis là? Ça m'évitera de revenir. À 219 hein, quand même. Hein. Donc on va le ranger plutôt dans le... Hop. Dans le stockage. Alors, donc, on nous avait parlé de pioche, donc elle n'en a pas fait. Alors, il nous faut un couteau au pavillon de chasse. D'accord. Une pioche, une pelle. Pioche, on n'en a pas. Pelle, on l'a pris. Une hache en pierre. Une hache en pierre. Donc, il faut qu'on fasse une hache en pierre. On va la faire tout de suite. Hop. On va prendre. On va les ramasser par terre, ce sera plus simple. On va faire ça tout de suite. Et donc l'atelier, il faut un maillet. Ok. Donc, on va regarder au niveau ici des outils. Donc, pour le maillet, il me faut un rondin et 10 bâtons. Un rondin, 10 bâtons. Ok. Donc, on va prendre le rondin. Donc, le bol, on le prendra après. Alors, un bâton. Un rondin, 10 bâtons. Et combien il fallait de maillets? Un maillet pour l'atelier et un maillet pour la forge. Donc deux rondins. F1, 2. Alors j'en ai pris 3, c'est pas grave. Et des bâtons. Les bâtons, c'est l'hiver. On va les prendre dehors. Hein. Ça sera mieux. Hop. Alors, 1, 2, 3. En même temps, c'est pas très grave si on en prend plus. On va faire un test avec les pierres là qu'on transforme en petites pierres et vous allez voir qu'on peut les vendre et que ça peut être une source de revenus assez intéressante. D'une pierre on en fait beaucoup plus. Je transporte trop de choses. Ok, donc on va faire les deux maillets. Hop, on va en faire un. Deux si on peut faire trois parce que le mien va pas tarder à péter. On va faire une hache en pierre. Donc la hache c'est fait, la pelle on l'a, il nous faut un couteau pour le pavillon de chasse. Alors par contre je ne sais plus, management, pavillon de chasse, F1, donc c'est un couteau en pierre basique, hein, d'accord. Donc on va faire le couteau en pierre. Il me manque 5 bâtons et 2 pierres, alors. On est en hiver. 5 bâtons de pierre. Ça va pas être très compliqué. Hop. 2. 3. Et 2 pierres. Alors, il doit bien y avoir 2 cailloux par là. On en profite pour les pierres. Hop, il ne faut pas que je sois trop lourde non plus. Alors, donc un couteau ici. On va les poser directement ça dans le pavillon de chasse. On est à côté. Donc chez notre chasseur. Voilà.
Voilà. Alors, ils ont besoin d'haches en pierre maintenant, hein, si on se rappelle bien. Donc, hop, le couteau, je l'ai fait pourtant. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ici. Donc, F. Voilà, il est bien là. Donc, le couteau au niveau du pavillon de chasse, je peux le rayer. C'est fait. Donc, après, on doit les déposer au niveau de la forge et de l'atelier, les mailles. Alors, on y va. Et après, on va les recruter. Le PNJ, je l'ai déjà repéré. Donc, on va aller le recruter. S'il est recrutable. Donc, on a dit un maillet dans l'atelier, puisqu'on va le recruter. Donc, on va mettre un maillet. F. F. Voilà. Et il lui faut un maillet dans la forge. Sinon, là, elle est en train de faire semblant de travailler, la dame. Hop, et un maillet. Voilà, maintenant elle va pouvoir bosser. Donc elle a des pierres, elle a des plumes, elle a des rondins, elle a tout ce qu'il lui faut, elle, oui. Ok, maintenant elle peut travailler. Ensuite, donc l'atelier, on l'a fait. Au niveau la hache en pierre dans l'abri à bois, on l'a pas amené. Et il faut qu'on fasse une pioche en fer. Alors. Une pioche en fer, c'est ici, je crois, si ma mémoire est bonne. Non, là c'est les objets en pierre. On va vérifier si c'est bien en fer. Oui, de toute façon la pioche elle est en fer, c'est ici. Donc alors, outils en fer. Donc pour la pioche il me faut un rondin et quatre fers. Ok, alors un rondin, alors fer 4, F. Faut lui remettre du fer, 2, 3, 4, F et un rondin. F, voilà. Faire la pioche en fer tout de suite. On va lui remettre du fer. Ok, pioche en fer. Qu'on va devoir aller poser la pioche à l'abri d'excavation. Juste à côté en fait. Ok, donc on quitte ici, hop, hop, et on va aller à sa collègue à côté, ici, et on va lui mettre l'outil de la pioche en fer. Voilà. Alors, au niveau de la pioche, on l'a fait. Le maillet dans la forge, on l'a fait. La hache en pierre, il faut le mettre dans l'abri à bois. Et on sera tout bon. La pelle, je ne l'ai pas mis quelque part. La pelle, j'avais dit. L'abri d'excavation, il faut une pelle. Ah oui, c'est elle. Donc la pelle, on lui met. Hop. Voilà. Maintenant, on va les mettre. Il nous manque la hache en pierre dans l'abri à bois. L'abri à bois, il est là-bas. Donc c'était une hache en pierre. Voilà. Ok, donc là on est bon partout. Normalement, on a tout posé, tout est bon. Alors, on avait dit mettre des rondins dans l'atelier un petit peu plus, peut-être. Et du fer, faut qu'on remette. Alors on va mettre les bâtons qu'on a là. Hein, FEF. On va remettre un rondin de plus ici. Ensuite, on a dit du fer, sinon elle va plus travailler. Hop, on se dépêche. Alors, du fer, du fer, du fer, du fer. On va le prendre là. On va lui en mettre combien je peux porter? 24.
aller jusqu'à 21. Hop, on va aller lui porter. Je peux pas courir, je suis trop lourde. Donc au niveau de la forge, là elle a bien planté. Alors, on va lui remettre du fer. Voilà. Et on va tester donc à l'atelier là les petites pierres. On va voir si on peut les revendre et quel prix. Alors, outils en bois, outils en pierre. Vous voyez là, donc une pierre. Alors, si j'en fais qu'une seule, combien ça nous en donne de petits projets de pierres projectiles? Je sors. Hop. Alors, inventaire. Voilà, ça me donne une pierre, me donne 5 pierres de jet. Et elle se vend de une, donc ça fait 5 pièces d'argent. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Ça, c'est, on peut le revendre sans problème. Puisque c'est un outil neutre qu'on a transformé par le biais des actions des PNJ ou de nous-mêmes. Et c'est pas trop mal ça. Ok. Donc, je vais aller boire un petit coup. Donc, il faudra penser à mettre des pierres dans l'atelier. Hop. Et on va croquer un petit bout. Alors, on va remettre des pierres. Comme ça, hop, tant que c'est l'hiver, on va pas se gêner. De toute façon, les PNJ, vous le savez, ils sont tous autour du feu le soir. La nuit, donc autant remplir nos coffres maintenant parce que après ça risque d'être le problème. Alors ici, on va rajouter quelques pierres. Hop, voilà. Donc les champignons, on peut les vendre, mais nous, on va les mettre là, dans la nourriture, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Alors, c'est-à-dire, alors j'ai une viande là. Est-ce que je peux la mettre? Oui. Et les champignons. Hop. Hop. Ah, je suis full ici. Alors, au niveau de la viande, on est comment là? Ouais, il y en a une de 50 et quelques pourcents. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va mettre la pierre ici. Celle-là, je les ai ramassées après. Voilà, F. Alors, par contre, au niveau de l'abri d'excavation, ce qu'on va regarder, c'est management, les bâtiments. Donc, l'abri à bois, on va bien vérifier. Toc, 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 c'est bon. L'abri à bois, on lui demande que des rondins. Donc, on est bon. Donc, je voulais voir s'il y avait la mise à jour, ça n'avait pas sauté. Donc là, c'est bon, ça n'a pas sauté. Alors, donc là, il y a bien des pierres. On va prendre les pierres de G. Direct, hop, voilà. Et on vendra, on va aller essayer de les vendre. Alors, ce que ça donne, on va ranger notre paille. Alors, le bol, on peut le prendre. Hop, on va les prendre, on va les mettre là-bas. Et ici, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir sur nous? Les bâtons. Voilà, la paille. Le bol, on va le ranger dans la taverne. Et les champignons, on va les garder sur nous. Alors, c'est pas le plus lourd. Donc, on va ranger nos bols dans la taverne. Dans la taverne, c'est ça que je voulais faire. Alors, les bols, les bols, les bols, les bols. Ici, 2, F, E, F. Voilà. On va manger un bout avant de partir chez Unighost pour vendre
nos pierres de jais. Donc normalement, elles se vendent une pièce d'argent. Hein. Donc on en a 15. Donc c'est pas trop mal. Ça peut être une bonne source, ça aussi. Parce que la pierre, quand on... Bon, après, oui, on a les maisons. Nous ne pas oublier, on a les maisons. Donc ici, on est bon. Ici, on est bon. Partout, on est bon. Ok. Normalement, tout le monde a ce qu'il faut pour bosser. Donc, on va aller voir chez Unigost. On va vendre là-bas nos pierres de jais. Alors, je crois qu'au niveau... Avant, au niveau de la touche du menu ratial, on pouvait... Voilà, ici... Voilà, on pouvait les faire, mais là, vous voyez, on ne peut plus les faire. Donc, il faut vraiment les faire à l'atelier et préparer son coup d'avance. Hein. Ok. Allez, hop, on va vite chez Unigost là-bas. Alors, j'avais dit que j'allais manger un bout, je ne l'ai pas fait. Hop. Ok. Alors, au niveau de la quête d'Alvin, on va attendre la fin de l'hiver pour la faire. Pourquoi? Parce que c'est la fameuse quête que je vous parlais où il faut le battre à l'arc. Donc là, c'est un petit peu... délicat puisqu'on va avoir nos taxes à payer et qu'on a dû construire l'atelier. Donc ça, c'est moi qui ai laissé sur place ceci. Donc on va peut-être le prendre. Ça fera moins de désordre. Alors. Donc on va aller directement voir pour vendre ces pierres de jais. Où qu'elle est ma vendeuse? Là, ici. Madame Jarag, nos machins. Alors, les pierres de jais, elles sont là. Alors, effectivement, F, E, F. Vous voyez, on peut lui vendre. Parce que c'est une pierre à la base qu'on a transformée. Donc, il est possible de lui vendre. Donc, on va garder les champignons pour nous quand même. Parce que ça peut toujours servir. On va lui parler pour montrer notre diplomatie. Avez-vous une minute? Plus 5. Récemment... Je me suis mis à la chasse, elle ne va pas me donner beaucoup de son conseil. Zéro. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Plus 5. Avez-vous une minute? Je reviens de... Voilà, j'aime pas lui poser cette question. Elle me dit à chaque fois que je sens pas bon. Avez-vous une minute? Elle veut plus. Ok. Donc on va regarder ici autour du feu. Ben, y a rien, c'est pas encore la nuit. Alors, au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a celle... où il faut qu'on ait 1000 points de réputation, on en a 850, donc il faut faire quelques quêtes. Unigost, il faut attendre les événements suivants. Et Alvin, il faut aller lui parler. Et c'est le moment où, justement, il va nous demander de faire un concours avec lui. Donc, celui qui fait le plus de points, etc., etc. Donc, je préfère attendre la fin de l'hiver pour faire cette quête, de façon à garder mes sous, être sûr de payer mes taxes et ne pas être embêté. Mais on va quand même aller voir. Hop. Comment, alors, salut. Comment se passe-t-il avec, comment cela se passe-t-il avec vos entraînements? Je parie que je peux vous battre maintenant. Quelle confiance. Très bien, je prends le pari. Combien? Alors, voilà. Il va falloir qu'on le batte. Donc, ça sera 100 pièces à chaque fois. Donc, en 3 coups, il faudra faire des meilleurs points que lui. Celui qui obtient le plus de points gagne. Donc, soit on commence maintenant, on lui donne 100 pièces. Si on perd, on devra recommencer. Tant qu'on ne le battra pas, on devra payer 100 pièces. Alors, on verra ça plus tard. On va laisser passer l'hiver, là. Donc, on va aller du côté, de l'autre côté de l'eau, là. On va aller voir ce qu'il y a comme PNJ. Hop. On va boire un coup sur la route. Tant qu'à faire. Une pierre, deux coups. On va le faire courir un petit peu. Allez, un petit peu.
Alors, ici, on a quoi? On a des messieurs. Oui, on a des messieurs. Alors, on va prendre. Il nous faut, on a dit, artisanat, c'est l'excavation. Si je... Ah ben, l'excavation, j'insiste avec ça. Donc, si on regarde au niveau des bâtiments, donc nous, on cherche quelqu'un pour l'atelier. D'accord? Et l'atelier, ça nous demande d'avoir de l'artisanat. Donc, on va regarder. Alors, un monsieur. Alors, lui, il est 3 en artisanat, 3 en extraction, ce qui est plutôt intéressant. Ici, il n'est pas récoltable, décidément. Il est tard, hein. Lui, il n'était pas recrutable, c'est ça que je voulais dire. Donc là, il n'est pas bon en artisanat. Ici, il est bon en artisanat, mais il est bon en pêche, mais il n'est que 2 en extraction. Donc, on va plutôt tenter lui. Alors, on est à 50%. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? 60. Avez-vous une minute? Je reviens tout juste de mon travail dans les champs. 65. Avez-vous une minute? On va lui remettre le travail. Hein. 70. Ok. Avez-vous une minute? Il ne veut plus. Alors, est-ce qu'on peut tenter de le recruter puisqu'il demande 70? Ouais. Ok. Donc, oui. Alors, on va dans le management. On va ici. F. Attribuer un lieu de travail. On va déjà le mettre hop, à l'atelier. Voilà. Et on va le faire habiter, bien entendu, avec notre chère Albreda, normalement, qui est, ou Médrica. Je ne sais plus laquelle c'est qui est toute seule. On va le faire habiter ici. Albreda, voilà. On va lui attribuer. Voilà. Ok. Alors, le temps qu'il rentre. Alors, par contre, on va vite rentrer. Parce que pourquoi? Parce qu'on a eu une petite alerte sur le bois de chauffage, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Pourtant, ils en ont encore. On a 15 sur 16 de bâtiments. Donc, il faut vraiment qu'on ait notre réputation. Alors, ici, il n'y a pas de quête. Hein. Non. Alors, on va monter notre diplomatie. Alors, lesquels sont recrutables? On va regarder un petit peu. Lui, il est 3 en champ. 3 en diplomatie. Bon, pas génial. Lui, par contre, peut être intéressant. Donc, on va lui parler. Je vais faire attention à mes touches. Hop. Créer ma passion. J'aime mon métier. Plus 12. Hop. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Et le travail? Plus 12. Donc, lui, si on en a besoin, il est déjà recrutable. Avez-vous une minute? Je me suis mis à la chasse, 75. Ok. C'est bon. Alors ici, qu'est-ce qu'elle est, elle? Elle est niveau 3 en pêche. Niveau 3 en diplomatie. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, maintenant, la prochaine qu'on vit, c'est une dame. Hein. Hop, non. Ici, elle n'est qu'un seul niveau 3. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais bon, ce qui n'empêche pas... On peut leur parler de façon à monter la diplomatie. Avez-vous une minute? Hop. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Avez-vous une minute? Hop. Avez-vous une minute? Voilà. Elle s'est fait. Alors lui, on va lui parler. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Avez-vous une minute? Avez-vous entendu des ragots? Ah, lui, il aime les ragots. Ok. Bon, elle, on ne lui parle pas, elle est mineure. Donc, ça ne sert absolument à rien. Elle va nous envoyer balader. Avez-vous une minute? Avez-vous entendu des ragots? Avez-vous une minute? Avez-vous entendu des ragots? Et le travail? Ça, c'est qui tout double? On va lui demander la chasse. Plus 2. Avez-vous entendu des ragots? Plus 5. Voilà, on a fini avec elle.
Lui, je crois qu'on a, on avait parlé, on a fini. Donc lui, il est recrutable si on veut. Il nous faut une dame donc pour la suivante ou un couple. Donc elle, elle n'est pas terrible, hein, mais bon. Avez-vous une minute? Avez-vous ce vu ce noble plus 60, plus 15? Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Avez-vous une minute? Voilà. On va pas peine de lui parler plus. Je crois qu'on a fait le tour ici de tout le monde. Ok. Alors, on va rien construire. Ben, pourquoi? Parce que, ben, tout simplement, c'est l'hiver. Il y a les taxes. Donc, ils sont pas couchés. Il faut faire attention pour le vol, hein. Donc, on va mettre notre torche pour mieux y voir. Bon, ici, il n'y a rien. Voilà. Hop, on se balade. Alors, je voulais, oui, aller acheter des... je voulais aller acheter des graines, mais bon... On va peut-être un petit peu s'en passer pour le moment. On essaye de voir tout ce qui concernait la mage. Donc on a vu les outils, on a vu les changements de tenue. Les animaux, on ne les a pas vus parce qu'on n'est pas encore au niveau des animaux. J'aurais pu vous montrer via ma partie qui est beaucoup plus avancée. Mais bon, si je commence à jongler sur deux parties, je ne m'en sortirai pas. Donc ici, il n'y a rien qu'on puisse voler. Faut dire le mot tel qu'il est. Et devant chez eux là, on a des bâtons, on a, mais on n'a pas de, alors ma gourde par contre a disparu, je ne sais pas du tout où elle est passée. On va économiser la lampe, on va aller voir du côté de chez Unighost là bas excusez moi je bois un coup. On va aller voir du côté de chez Unighost. Donc la quête d'Alvin, on va attendre un petit peu. Parce qu'on a en argent, on a 1205 pièces d'argent. Et au niveau des taxes, on nous en demande 875. Vu qu'on a rajouté l'atelier. Donc vous voyez le bonheur de Jaroniev, hein, qu'on vient de recruter. Il est en train de monter. Faudra surveiller le petit couple là une nuit en allant avec la torche pour voir s'ils font lit qu'on ensemble ou pas. Donc on est bien sur un nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A. Ah. Ben oui, 8 avec moi. C'est bon. Donc si on regarde au niveau des maisons, donc ils sont bien 2 sur 3, 2 sur 3, 2 sur 3, 2 sur 3. Donc on est bon partout. Donc là, au niveau des champs, on n'a encore qu'un petit champ. Pavillon de chasse, on a assez de nourriture. La forge, 1 sur 1. Donc on pourra après, de toute façon, augmenter puisque on a, donc là, c'est bon. Ici, on a le pavillon de pêche, mais vous savez que moi, je ne veux pas le faire. Alors, on va regarder, par contre, s'il y a des recettes. L'abri à bois, donc c'est des décorations, c'est tabouret et des clôtures. On a le temps. Déco. Abri d'excavation, on a des petites torches, mais bon. Alors, on n'est pas loin du stockage de ressources 2. Ensuite, au niveau de la survie, pavillon de chasse 1, cabane de pêcheur, non, moi ça ne m'intéresse pas, mais bon, à la limite, si vous le voulez, vous me le direz dans les commentaires sur YouTube, et on verra si on le fait. On a l'arc long, non, le piège à rats, pour l'instant, on n'a pas eu de pop-up qui nous a dit que les rats étaient présents. Et au niveau du feu de camp en pierre, c'est le feu où ils se retrouvent tous. Il faudrait y mettre des tabourets. Pour l'instant, on n'est pas assez riche pour faire ça. Et après, c'est la pêche. Au niveau des champs, donc on a le stockage, la grange 1. On n'a pas encore débloqué le poulailler. Il nous manque, on est à 95 points. On le voit ici. Et il faut avoir 100 points pour débloquer le poulailler. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, on n'a pas le problème de la nourriture pour animaux pour le moment. Par contre, au niveau d'atelier ici, va falloir qu'on débloque eh ben, ceci. On va l'acheter, hein, tant pis, hein, ça coûte 100 pièces d'argent. On va vendre pas mal de petites pierres. Hein.
Donc, on va le prendre. On va prendre alors les carreaux en bois. Je crois que c'est pour les chasseurs. La faucille en pierre, on ne nous l'a pas demandé. Donc, on s'en fiche un petit peu. Et c'est marrant parce que vous voyez, dans l'atelier, on n'a pas les petites pierres. Donc, ça, c'est à nous de les faire. Donc, on va mettre les carreaux en bois. En bois. Non, nous, c'est de la pierre qu'on veut. Donc, atelier, c'est tout. On va peut-être les coupes en bois, les assiettes. Je crois pas qu'on en ait besoin. Ne demandez que des bols. On ira vérifier. Donc là, non. La taverne, non. La forge. On avait mis les points dedans. On a débloqué la couture 2. Donc, il faudra peut-être qu'on fasse la couture niveau 2 pour pouvoir débloquer un petit peu plus de choses. Mais ça... Chaque chose en son temps, on y va doucement. Parce que là, avec les nouveautés, gagner de l'argent n'est plus aussi facile. Donc, on va lui mettre ce qu'il doit faire quand même au niveau de du management. On n'a pas mis au niveau de l'atelier ce qu'on voulait que notre PNJ fasse. Donc, on va le faire. Hein. On lui a bien mis le maillet. Donc, il devrait bosser normalement. Donc, on va lui demander de faire alors des bols. D'accord. On va lui dire pas mal de bols. Voilà, on va lui mettre 60% de bols. Alors, après, qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourrait faire des maillets parce que... On va mettre 10... des haches en pierre, voilà. Ensuite des couteaux pour les chasseurs, comme ça pas de problème, on aura toujours au moins les choses alimentées. On va lui demander de faire, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, la lance de pêche. On n'a pas de pêcheur, donc nous on s'en fiche un petit peu. Les seaux sont verrouillés, les assiettes. Tout le reste, après, c'est de la déco. Donc, c'est déjà pas mal s'il fait ça, je pense. On a quand même pas mal de choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc chez Nigost en face. Ah bon, un petit coup. Hop. C'est pas ça que je voulais, c'était mon inventaire pour scrunch un petit bout de viande. Parce que sinon, elles vont se gâter, mais c'est pas grave. Ça nous fera de la pourriture qu'on transformera en engrais. Et après, suite à ce live-là, je repasserai donc pour Medieval en vidéo, comme d'habitude, hein, YouTube, ce sera en vidéo. Et on fera dans le prochain épisode, va falloir qu'on monte notre réputation hein, pour débloquer des bâtiments. L'hiver sera sûrement passé, donc on va ramasser quelques pierres au passage. On va aller voir directement autour du feu ce qu'il y a chez Unighost. Je serais bien allé jusqu'à Baranica et Branica pour voir s'il y a des nouveaux PNJ, mais bon. On est au premier jour de l'hiver. On a le temps. On va prendre notre torche. On va d'abord aller voir autour du feu là. Ce qu'il y a. On a deux demoiselles. Alors, c'est bien qu'on puisse se mettre au-dessus du feu sans avoir à se brûler les pieds. Halte. Alors là, on n'a que des niveaux, je dirais pas terribles, hein. Rien qui m'intéresse. Alors là, vous voyez, les bols, si on venait à les voler, c'est pas possible. Hein. Donc on peut allumer une autre torche en hiver à mieux. Ici, on a quoi? On a une onde, tac, rien d'intéressant. Alors. Il tourne y vire. On va regarder un petit peu. Ici, il y a quoi? Du mille-pertuis, mais maintenant on peut plus le vendre. Par contre, on pourrait piquer le couteau en fer, mais c'est un petit peu risqué.
pour un petit couteau alors qu'on en a déjà un. Mais enfin, on sait qu'il y en a un là si on a besoin. Là, il n'y a rien d'intéressant. Ici, c'est une pelle. Mais bon, elle le fait. Ils le font maintenant, nos PNJ. Ici, on a un bol. On a un bol ici. Ça serait intéressant de pouvoir le voler. Alors, on va s'accroupir. On va surveiller. Je vais essayer de ne pas me faire golber parce que là, maintenant, le problème étant de la coupe en bois. On s'est pas fait prendre. Ça va. Le bol. On s'est pas fait prendre. Et la cuillère. Voilà. Hop. Ni vu ni connu. Ça, on en a besoin. Par contre, comme ça, ça nous économise d'en faire trop. Voilà. On a un petit seau ici à voler aussi. On a vu qu'il y avait personne en face, donc on peut y aller tranquille. Là, c'est quoi? C'est de la paille. Ça ne nous intéresse pas. On peut peut-être voler, si on peut, F, quelques rondins. Je transporte trop de choses. Alors. Donc, au niveau de nos PNJ, on est bien. On a des niveaux 3 dans les compétences qu'on a besoin. C'est le principal. On va papoter avec lui qui nous fait des demi-tours assez incroyables. Ouh, de plus près, ça m'a fait peur. Vous avez une minute. Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute? Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute? Il fait beau. Ah, ben oui, pour lui, oui. Avez-vous une minute? Voilà. Ok. Au revoir. Voilà. Donc ici, on ne va pas se fatiguer parce que c'est pas la peine. Voilà. Elles n'ont pas un niveau qui nous intéresse. Ce qui est dommage, parce que, ce qui est dommage que ce soit si près, parce que on aurait pu voler les bols, mais c'est impossible. Et là, il n'y a rien. Ok. Ah. Alors, on va rentrer tranquillement jusqu'au village. Et je vous retrouve là-bas dès que je suis arrivée. Salut Gigi, comment tu vas? Donc au niveau de la map, qu'est-ce qu'on a comme quête? Alors on en a à Gostavia, j'en ai raté une, il y a celle d'Alvin, on a notre chasseur et il y en a à Branica et Baranica. Ok. Ça va, ça va. KO, parce qu'avec le jeu Echo, là, on n'arrive pas à en décrocher. Mais là, ce soir, il fallait absolument que je fasse du médiéval par rapport à YouTube. Mais dès que j'ai terminé, là, je rebascule sur Echo. Il est vraiment trop bien, il est trop prenant. Et on voit pas l'heure passer, c'est horrible, quoi. C'est infernal. Et on s'éclate comme des petits fous. Tu veux pas nous rejoindre au fait? Alors ici. On est quasiment fou là.
On va aller ranger le seau, ce qu'on a volé. Donc on se retrouve en... Salut Mandrin, comment vas-tu? On se retrouve donc au village. Donc on va mettre le seau... Tu veux pas te le prendre? On va mettre le seau ici. Alors ensuite, le bol. F. Voilà. On va aller ranger le rondin. Donc le meilleur moyen vraiment là maintenant dans le jeu pour gagner de l'argent, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Alors vous voyez, les bols en bois là, celui-là. Hop, on va le prendre sur nous. Alors, normalement, si tu mets tout dans le coffre de l'entrepôt, ton tavernier prend direct. Non, mais je n'ai pas de tavernier, Mandrin. Et comme je l'ai expliqué maintes et maintes fois sur le Let's Play de YouTube, les développeurs ont dit, et je vous le redis, la taverne, c'est un endroit de commerce. Ce que tu vas acheter chez Unigo, ce que tu as besoin, des petits pains, des machines, des trucs, d'accord? Donc, c'est encore notifié dans la dernière mise à jour, que ce soit dans les stockages ou autres, elle fait à manger aussi. Oui, d'accord, mais je suis d'accord qu'elle fait à manger. Mais le but des repas qu'elle fait, c'est exactement le même que ce que tu as à Unigo. La taverne est un lieu qui va toucher le commerce n'est pas encore implanté. Donc les développeurs l'ont dit, redit et re-redit, que ce soit les stockages comme la taverne, pour l'instant, il ne faut pas mettre de PNJ dedans. Donc vous perdez du temps avec mettant vos PNJ, mais après c'est votre façon de jouer. Donc tu peux lui demander de faire à manger. Oui, je sais bien, je suis à ma quatrième partie terminée. Là, c'est pour le let's play des débutants sur YouTube. Donc, la taverne, tu gagnes beaucoup plus de temps en faisant manger toi-même qu'en demandant à un PNJ que tu mettras plus tard quand le commerce sera instauré. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de mettre de PNJ dans la taverne. Les développeurs ne cessent de le répéter à chaque fois dans les mises à jour ou sur leur chaîne ou sur le Discord. Voilà. Alors, JJ, ben j'hésite, je vais me prendre Hitman aussi. Mais là, c'est comme tu veux, mais en tout cas, moi, je te conseille sincèrement Echo, hein, honnêtement. Hein. Mais bon, là, c'est toi qui vois, mais ce que tu veux te prendre. Mais franchement, si tu veux jouer avec nous, prends-le. Prends-le et rejoins-nous tant qu'il y a de la place. Parce que ça aussi... Alors ça, on va le mettre là. On l'a volé, mais ça ne nous sert pas. Le rondin, on va le mettre là-dedans. La pierre, on va la mettre là-dedans. Les bâtons, on va les mettre là. On a donc le bol. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Alors, on n'a plus l'icône comme quoi ils avaient un petit peu froid, enfin, manquement de bois de chauffage. Donc, on va se faire quand même pas mal de pierres d'avance. On va ramasser, c'est l'hiver. Alors, depuis qu'on ne peut plus vendre non plus tout ça, ça va nous servir à nous pour les maisons et ça va nous servir aussi au niveau de l'atelier pour faire les petites pierres. Puisqu'apparemment, on ne peut pas lui demander au PNJ de l'atelier de faire les petites pierres de fronde. C'est nous qui les faisons. Alors, ce qu'on devait tester aussi, et je pense qu'on en restera à là du test, je pense que j'ai tout vu. Si j'ai oublié des choses, je sais que vous me le marquerez dans les commentaires de YouTube sans aucun problème. Alors, ici, on va ramasser un petit peu, en profiter que c'est l'hiver. Bien que maintenant, donc, on a l'excavation. Elle peut nous récolter de la pierre. Hein. On peut aussi ne pas s'embêter avec ça.
mais ça fait monter le côté survie du jeu et de notre personnage. Donc, hop, on ramasse tout ce qu'on trouve. L'hiver, c'est beaucoup plus facile. On n'est pas en manque de nourriture. Ça, il n'y a pas de problème, à moins qu'on ait un pop-up qui nous dise qu'il y a les rats. Alors, j'ai pas regardé non plus si le piège. Donc, au niveau de la mâche, concernant le let's play YouTube, pour les parties non avancées, les parties avancées, voire terminées, voilà, c'est autre chose. Mais voilà, pour ceux qui ont demandé le let's play pour des explications ou quoi que ce soit, on va trouver, je vais vous montrer les astuces qu'il y a maintenant suite aux mises à jour. Je te jure, DJ, rejoins-nous, parce qu'en plus, toi, tu joues tard. Et ça serait cool, quoi. Mais bon, après, c'est toi qui vois. Ah oui, ce que je voulais tester aussi, c'était. Mais je crois qu'on n'a pas acheté ce qu'il fallait. On va regarder. C'est au niveau de la technologie, je vous avais parlé des barrières. Hein. Alors, c'est pas là-dedans, c'est dans le Q. Alors là, on a les routes. Et ici, on a les clôtures. Donc, les clôtures, ceux-là, c'est les palissades. On n'a pas assez de technologie. Nulle part, quoi. Si là, on aurait la petite clôture, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. En fait, c'est pour entourer vos villages, donc pour la protection contre les voleurs quand ils vont être implantés dans le jeu. Tout le reste, ce sont des rambardes comme celle-ci qui est en pierre ou celles-ci qui sont en bois pour décorer ou entourer vos champs, décorer vos maisons, etc. autour des maisons, enfin donner un petit style à votre village. Les deux plus importantes sont ici, c'est la clôture en bois ou la palissade. Donc chez Unigos, c'est la palissade que vous voyez, et dans certains villages, vous voyez la clôture en bois. Il est recommandé par les développeurs de mettre plutôt la palissade pour protéger votre village contre les voleurs et les pillards. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas assez de technologie, on en est loin, puisqu'il faut 2500 en construction, on n'en a que 922. Donc pour ceux qui sont un petit peu plus avancés et qui suivent le let's play, vous pouvez maintenant tirer votre palissade gratuitement. Il n'y a plus besoin d'avoir tant de bâtons ou de bûches dans nos inventaires pour pouvoir tirer tout ça au clair. Et c'est pas plus mal parce que comme ça peut aider à délimiter le village assez rapidement, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Quand je vous avais traduit la mage. Donc, hop. Alors, où c'est qu'on peut mettre les bâtons? Alors, il faudra qu'on construise aussi, dans le prochain épisode, il faudra qu'on construise aussi la couture niveau 2. D'accord? Donc ici, bâton, il y en a encore 92. Rondin, c'est bon. Le fer, c'est bon. La paille, c'est bon. C'est des plumes qu'elle a plu. Alors, j'ai coupé des arbres, j'ai vu un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que j'ai pour être aussi lourde? Je ne sais plus. Alors, ici, j'ai des bâtons, je crois, beaucoup de bâtons. Alors, elle est à 49 sur 28, donc c'est pas la peine. Ben, on va aller dans le storage, on va aller poser tout ça. On va se faire quelques petites pierres là à l'atelier. Ici, la forge. Ah, histoire de vérifier qu'elle manque de rien, sauf des plumes. Ouais. Est-ce qu'avec notre vue, excusez-moi, bionique, les plumes. On va se faire des pierres, des petites pierres, en espérant que ça pèse pas trop. Alors. Voilà, et là, on peut s'en faire 14.
14, ça fait 14 pièces d'argent déjà supplémentaires. Bouiboui, bonsoir, on dirait que ce jeu provient du jeu Life is Feudal. Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir avec Life is Feudal. Alors, bon, j'ai un petit peu plus légère. On va aller boire un petit coup, mais bon, je suis quand même un petit peu lourde encore. Donc ici, on va lui remettre des bâtons. Ouais, on va lui mettre des bâtons. On va se faire un peu plus léger. Hop, 97 bâtons. On va lui mettre des pierres, hein, parce que bon, il faut des pierres. Donc on a vendu. Oh bah, attends. Là, il y en a 100, mais j'avance plus. Alors, 70, on a 70 pierres de jet, c'est 70 pièces d'argent. Donc, on va en poser la moitié par terre. Voilà, hop, on lui remettra après. Voilà, 70 pierres, je pense que. Il a de quoi faire. Non, c'est moi qui lui remets les pierres de. Ils auraient dû faire que les pierres de jet qu'on transforme ne soient pas identiques à la pierre. Ça peut être trompeur. Alors, hop, voilà. Ici. Hop, on va lui mettre aussi. Ah, je suis un peu lourde. Hop, ceci là. Alors, on va aller porter le bol en bois à la taverne pour quand on fera les plats. Puisque, comme cela a été fait dans la dernière mise à jour, la récente, maintenant on ne peut plus faire les plats ici sans avoir un bol en bois. Voilà. Donc, que ce soit toutes les recettes, il nous faut un bol en bois. D'où l'intérêt donc de mettre l'atelier, puisque c'est dans l'atelier et pas ailleurs que vous pourrez faire les bols en bois, les assiettes en bois, etc. Comme on l'a vu. Voilà. Donc ici, oui, je viens de le dire, le bol, les assiettes, les chopes, etc. Comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va regarder. J'irai bien, comme je vous ai dit, jusqu'à Baranica, essayer de repérer si. Alors, je vais y aller avec les flèches, on ne sait jamais. Si il y aurait des PNJ niveau 3. Alors, que j'ai assez à manger. Hop! Que l'hiver, on garde les sous pour justement pouvoir payer nos taxes, vu que maintenant tout se complique énormément pour gagner de l'argent. Tout ce qui était simple à vendre et qui nous aidait pas mal, c'est fini tout ça. La belle vie est terminée à ce niveau-là. Voilà, on va y aller avec ça parce que moi, avec ma chance, je vais me faire attaquer par quelque chose, mais bon. Alors, c'est l'hiver. Au niveau de la map, alors, est-ce qu'il y a des quêtes à Baranica et à Branica? Ça tombe bien. Et on a notre entrepôt. Par contre, j'ai pas pris la pioche. Mais c'est pas grave. On a encore pas mal de fer en réserve. Donc, on va aller voir pour ces quêtes-là à Baranica. Je pense que c'est le mieux. Au niveau de la map, je vais mettre un checkpoint ici. Ah oui, c'est avec F. Donc, je suis pas très loin. Les développeurs nous ont pas du tout simplifié la vie, ce qui est très bien, comme je vous l'avais dit en vidéo, mais aussi un peu moins bien dans le sens où ça a été deux grosses mises à jour avec
énormément de changements et ça fait beaucoup de choses pour les joueurs débutants à assimiler. Et pour les joueurs non débutants, ça change aussi énormément de choses. Donc après, on verra quand on aura débloqué les animaux et tout ça. Mais c'est pas pour tout de suite. On n'est pas pressé. Il n'y a pas le feu au lac. Si on veut réussir, il faut y aller doucement. Ça reste un jeu de gestion, je vous l'ai déjà dit. Faites attention à vos quêtes secondaires. Il n'y a pas que les quêtes histoire et ça ne sert à rien de rusher le jeu. Vous avez des défis aussi maintenant qui sont mis en place. Faites-y attention. Un défi échoué peut mettre votre partie en out. C'est-à-dire vous pourrez la recommencer du départ. Donc faites attention à tout ça. Alors, on continue. Donc il y aurait des quêtes ici. On va regarder et puis on va aussi en profiter pour faire le tour autour du feu de camp. Et essayer de repérer nos petits niveau 3. Alors un homme, une femme, peu importe. Il va nous en falloir au champ. Donc, alors, je me suis trouvé le bouton. Alt. C'est elle qui a une quête. Vas-y que je me suis accroupie. Alors lui, il est 3 en artisanat. Et des 3 en chasse. Ok. Et la dame, les madames. Lui, il n'est pas niveau 3, sauf en diplomatie. Mais vu que le commerce n'est pas encore instauré, ça ne nous intéresse pas. Donc ici, il n'y a rien. Mais par contre, on a des quêtes. Alors, qui c'est qui a une quête? Alors, tout dépend de ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la dame? Avez-vous une minute? On va d'abord lui parler pour monter notre diplomatie. Plus 10. Avez-vous une minute? Je me suis mis à la chasse récemment. Plus 2. Avez-vous une minute? Je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute? Puis-je vous aider? J'ai besoin de l'aide d'un homme fort. Considérez que je suis intéressée. Je dois nourrir ma famille, mais la nourriture a disparu. J'ai des pièces, mais pas le temps. Je reviens tout de suite. Hein. Ça dépend ce qu'elle veut, la madame. Alors, journal. De toute façon, il faut qu'on monte à 1000 points. Voilà. 1000 points pour débloquer les 22 bâtiments. Donc, bouche à nourrir, elle veut 6 viandes et une baie. D'accord, 6 viandes crues, une baie, ça nous fait 24 de réputation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-bas, ou ici, tout près, en face de nous, Huberta. On va discuter. Comment allez-vous? Avez-vous une minute? Il fait beau. Non, moins 5, elle a froid. L'autre, il avait aimé la question. Alors, puis-je vous aider? Ces derniers temps, de nombreux animaux dangereux ont été aperçus la nuit près de notre village. Nos habitants deviennent anxieux. Ok, on va accepter. La quête, la chasse de nuit. L'hiver, c'est là où on y voit le mieux la nuit. Et la dernière quête ici. C'est qui? C'est toi. J'ai entendu dire que vous vous qualifiez de bon chasseur, mais je parie que je suis meilleur que vous. Alors, quand dites-vous, pas le temps pour le moment. On a déjà deux quêtes. Deux quêtes. Donc une où il faut retourner chez nous. Alors, donc il faudra que on chasse de nuit pour cette quête là. Et ces quêtes là, elles sont bien justement l'hiver parce qu'on y voit super bien. Alors, on va choisir celle là. On va se TP pour éviter de voilà, se retaper tout le trajet comme d'habitude en sens inverse. Et on va repartir à notre village, chercher la viande et retourner justement à Baranica pour lui ramener ceci. Donc la quête d'Halloween, comme je vous l'ai dit, on atteindra la fin de l'hiver. Allez, on va y arriver. Chasse de nuit et meilleur chasseur se complète. Ben disons que au niveau de la nuit dans le jeu, c'est l'hiver où tu y vois le mieux pour chasser, quoi. Les quêtes où ils te demandent d'aller chasser des animaux qui les ennuient parce qu'ils entendent des hurlements, etc.
Alors, c'est pas automatiquement des loups qu'on va te demander de chasser, mais c'est vrai que c'est l'hiver, c'est là où tu vois le mieux. Donc faut en profiter pour faire ces quêtes-là, l'hiver, quoi. Puisque tu construis pas trop l'hiver, tu fais pas grand-chose l'hiver. Pourquoi? Parce que premier jour du printemps, tu as tes taxes à payer. Donc il vaut mieux construire une fois que tu as payé tes taxes. Donc à part faire les quêtes, voilà, de chasse, essayer de chasser si tu as pas assez de nourriture, de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est l'hiver avec ce ciel gris bleuté là qu'ils ont mis, on y voit beaucoup mieux. Parce que alors les autres saisons, là, printemps, été et automne, c'est l'enfer hein, la nuit hein, pour y voir les animaux. Hein. Allez, on retourne vers notre village. Donc on a bien tout vérifié. On est d'accord, ils ont changé de tenue, tout ça c'est bon. Les palissades, on ne peut pas le vérifier, mais testez-vous de votre côté si vous avez débloqué la palissade. Et puis, vous verrez que maintenant, ce n'est plus payant. Alors, vous voyez ici, j'ai laissé des troncs. Il faudra que je vienne avec la pelle les sortir. Des souches d'arbres plutôt. Pas des troncs, sinon les troncs, je les aurais ramassés. Voilà, il y a tout ça là qui va pouvoir. Voilà, tous ces troncs-là, on va les prendre tout de suite. Tout ça, là, on va l'enlever. C'est pas la peine de le garder. Parce qu'on risque aussi venir s'étendre avec les maisons à peu près jusqu'ici, hein, au virage, là. Donc, autant enlever les souches et puis ça nous fera du bois supplémentaire. Qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire qui me fait peser si lourd? Les pièces de jet que j'ai oublié de vendre, évidemment. Voilà, bon, ben oui. Donc je suis venue chercher 6 viandes et une baie. Donc hop. Et on repart à Baralinka. Alors, on veut juste une baie. Donc hop, F. Voilà. On l'a bien. Ouais, une baie et 6 viandes. On va lui donner les moins bonnes. Hein. F. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Hop, on est reparti pour Baranika. Je suis super lourde. Alors, hop. Parce que bon, sait-on jamais. On boit un petit coup sur le passage. Donc en haut à droite, vous pouvez voir la quête. Quand vous allez dans J, que vous appuyez sur F, votre quête se met. Vous pouvez la suivre. Et voyez, vous avez entre parenthèses le nombre de viandes que j'ai pris. Et le chiffre devant viande fois quelque chose, c'est le nombre de viandes qui est réclamé. Donc vérifiez quand vous avez une quête comme ça, que vous avez bien tout. Parce que c'est pas une fois arrivé, hélas, que. Faut se dire, ah ben mince, j'en ai pris 5 au lieu de 6, ou 2 au lieu de 3, enfin voilà. Vérifiez bien. Ça, je crois qu'ils l'ont bien aussi rectifié. Alors, ici, on a quoi? Un petit lapinou. Il faudra qu'on se tape aussi des arbres. Ce sera dans le prochain épisode, donc la semaine prochaine, mardi prochain. Puisque là, c'est exceptionnellement le live. Le let's play, normalement, je vous le fais en vidéo. Donc là, je vous l'avais promis en live pour les questions, si vous vouliez. Donc, mais le prochain épisode, ce sera donc en vidéo, comme d'habitude. Pour ça, ben, c'est sur YouTube. Pour ceux qui sont sur Twitch, dans le chat, là, c'est vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, tiens, on pourra se faire des flèches neuves, puisqu'il y a du bois là. On avait laissé. Donc on va ramener notre quête. J'espère que la dame bouge pas trop. Où elle est? C'est Vazebora. Non, je ne pense pas.
Non, c'est pas elle. C'est qui m'a donné la quête? Vesbora? Oui, Vesbora, je pense. Ici. Voilà. Donc on a eu 60 pièces. Donc lui, si on venait à accepter sa quête, hein, hop, on lui avait pas parlé à lui. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Avez-vous une minute et le travail? On n'a pas. Quoi qu'on pourrait la prendre là, je pense pas qu'on en ait. On va revérifier, mais je crois pas qu'on en ait une autre en stand-by à part la chasse de nuit, mais on pourrait cumuler les deux. Journal. La quête d'Halloween, donc on attend Unigos, on attend les événements. Ici, donc 874, il faut 1000, il faut vraiment qu'on fasse des quêtes. Donc, alors. C'est le lendemain soir qu'il va falloir qu'on chasse. Donc, ouais, à la limite, on peut l'accepter. Reviens, mais reviens, mais reviens. Ne pars pas comme ça, c'est pas bien. Norbert, ne te vexe pas. Allez, vas-y. C'est l'idée, vous avez 5 heures. Oh, c'est ça. Allez, on va tester la quête de la chasse. Je suis super lourd. Et moi, je vais chasser. Ah, mais je peux lui vendre. C'est pas grave, je perds un peu de temps. Je peux lui vendre mes petits rochers là, mes petits cailloux en pierre. Il est passé où Norbert? Là, ici. Il fait le concours assis. Hop. Allez, on va lui vendre les pierres, on sera beaucoup plus léger. Les pierres de G, voilà. F, E, F. Ça, on peut toujours le vendre, il n'y a aucun problème. Hop, 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 hop. Pierre de G lui vend des choux tout près, de l'engrais. On verra ça plus tard. La laine et la nourriture maintenant pour animaux, vous voyez, on la trouve. Hein. Voilà. Ok. Je m'en vais. Et il fait un concours assidu. C'est normal. Tout ça est logique. Allez, on va aller voir si on trouve des animaux. On ne devrait pas avoir trop de mal. J'ai 5 heures. Alors. Hop. Journal, on affiche la quête et on en restera là après cette quête-là. Un adversaire, donc des sangliers et des cerfs. Oh, ça va. Il n'y a pas trop mort d'homme. Alors, si je me tape pas un loup en route, bien sûr. Alors, des sangliers, des cerfs. Il y en a beaucoup par là, dans ce coin-là. Si je ne m'abuse, ouais, par rapport au lac que je me repère. Attention à ma stam. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Il est asthmatique. Arrête de courir. Hein. Voilà. Hop. Donc, il y a des. On n'en a pas loin, là. Des sangliers. Il en faut combien? 4. Ça devrait le faire. Quoique, des fois, c'est à chaque fois qu'on a besoin des animaux qui ne sont pas là. Hein. Non, normalement, vous avez des bisons, ouais, on les voit de là. Et normalement, il n'y a pas très loin les sangliers sur la gauche. On va aller jeter un œil. Là, voilà, on a déjà un là. Alors, au niveau de la précision, effectivement. Ça a été, hop là, augmenté. Je vérifie quelque chose, c'est raté. Il y a le petit frère qui est là. Donc ça en fera deux. Ok. Donc j'en ai perdu une en route. Elle est juste là. Voilà, ici. Hop. Il est passé où le petit jumeau? Les temps 5 heures ou de nuit ne sont pas pris en compte pour les défis pour le moment.
Je ne parlais pas des défis, je parlais des quêtes. Alors, je cherche le grand frère. C'est comme dans les commentaires. Soit vous n'écoutez pas ce que je dis, soit vous ne me comprenez pas, soit vous ne regardez pas les vidéos et après vous posez des questions ou faites des affirmations qui ne sont pas en rapport avec ce que j'ai dit. C'est dommage. Alors, tout à l'heure, il y avait le frère jumeau qui est là. Voilà, là-bas. Donc, il nous en faut trois. Alors, niveau précision, il y a les trois. Oh, il y a les trois. Ce que je voulais dire. Par contre, ils ont accéléré les. Alors, il y a les saignements, normalement. Je ne vais pas perdre de temps. Hop. Faire gaffe aussi aux quêtes qui sont dites chronométrées. Donc il y a un triplé qui est par là-bas. Combien il me reste de flèches? C'est bon, j'en ai assez. Le triplé, il est là-bas. Je sais plus où, je l'ai vu. Il était un petit peu plus loin que ses frères. Là, ici. Donc, après, il faudra qu'on retourne à. Bah, niveau précision, il n'y a pas photo. Hein. Ils ont vraiment arrangé. Par contre, ils ont accéléré le. Ils ont accéléré les animaux. Vu que maintenant, ils ont mis le saignement. Voilà. Hop. Ah, mais il nous en faut 4. Mince, j'en ai 3. Avec 4 avec celui-là. Non, il ne me l'a pas compté. Si, il me l'a compté. Non, il m'en faut une autre. Alors, les triplés n'ont pas suffi. Il m'en faudrait un quatrième. Ou une biche, peu importe. Ça permettrait de tester le saignement avec la biche. Ah, ben là, voilà, le quadruplé, il est là. Ouais, la précision, il n'y a pas photo de ce côté-là. Par contre, la rapidité aussi. Mais oh, alors là, non, pas du tout. Je vais plus avoir de flèches. Voilà. 4. Ok. Eh bien, on va aller voir Norbert. Bonne nuit, mon brin. Bonne soirée à toi. On va retourner voir notre petit Norbert pour faire valider notre quête. On fait gaffe autour de nous quand même, hein. On n'est pas à l'abri. Je pars en sens inverse, hein, là, complet. Voilà, ça fait 2h18 de live. Donc on va aller rendre la quête à Norbert. Hein. Et puis là, vous voyez, il y a le bison, mais j'ai vraiment pas assez de flèches. Pour le tuer et de toute façon on va s'arrêter là au niveau du live. On va rendre la quête et puis je retournerai au village moi de mon côté et on se retrouvera donc sur YouTube la semaine prochaine, donc mardi prochain avec l'épisode suivant. Alors je ne sais plus le nombre, ne m'en veuillez pas. Et donc j'aurais dû faire le live hier soir, j'en suis encore navrée. Mais le principal étant que je vous le fasse. Donc je vous avais donné l'opportunité. Donc voilà, je l'ai fait.
Ben, vous avez gagné, vous êtes plus meilleur que moi. Peut-être une récompense pour un champion, n'insistez pas. Très bien, voici pour vous. Merci. Donc, on a pris 50 pièces et 12 points de réputation. Donc, on va en profiter pour regarder quand même ici. Donc, on a un 3 en champ. Non. Ici, 2 niveaux 3 en, chasse et en artisanat. Ça peut être intéressant. On va peut-être commencer à lui parler et monter. Mais attention de ne pas faire la bêtise de l'autre fois. Avez-vous une minute et le travail hein. Plus 5. Avez-vous une minute et le travail. Quand on a une question qui marche, si elle est répétée, n'hésitez pas à le faire. Avez-vous une minute? Désolé, il n'a plus le temps. Je m'en vais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en niveau là? Mais il ne fait pas nuit, hein, donc on ne les a pas tous autour du feu. Ici, on a un niveau 3 en champ simplement, donc ça, c'est pas intéressant. Donc ici, on a fait toutes les quêtes. Et on en aurait une à Branica juste à côté. Allez. Hop. Ah oui, avec les moutons, j'ai oublié qu'à chaque fois je veux les tuer quand je passe. Alors. Alors, je ne sais plus aussi en commentaire, j'avais eu. Oh, bah, je trouve plus les moutons. Bah, les moutons sont toujours là. Hein. Donc, les moutons, les chèvres sont vers l'Esnica ou Desnica. Mais les moutons sont toujours là, ils n'ont pas disparu. Donc, ici, on a notre. On arrive près de la mine. Enfin, de la grotte, pardon. La mine, on ne l'a pas encore faite. Et donc notre stockage, donc on va pouvoir se vider et être un petit peu plus léger. Donc je ne sais pas trop ce que j'ai dans l'inventaire, je dois avoir, ouais voilà, mis à part les lances, des champignons, de la viande, du cuir, c'est pas gênant pour se TP et revenir là-bas. Mais donc on a notre stockage ici. Pardon. Donc, toujours pas d'ours ici. Alors, il doit être, comme on me l'a dit, de l'autre côté de la montagne là-bas. Mais on n'y va jamais. Donc, vous voyez, toujours pas d'ours ici. Donc, c'est pas ici quand on vous a une quête où il faut tuer les ours. Hein, c'est plus. Moi, à chaque fois, je vais honnêtement, pour être brut avec vous, je vais ici. Là, exactement. Voilà, il y a une grotte par là. On les voit quand on zoome. Hein, il y a une grotte. Et là, vous avez toujours deux ours. Donc, c'est là qu'il faut valider votre quête. Hein. C'est le plus simple. Donc, maintenant, tout dépend aussi de la quête qu'on va nous demander ici. Hein. Je l'accepterai peut-être pas automatiquement. Alors, qui c'est qu'il y a une quête hein? C'est la dame, là. Ouais. Alors, attention, c'est la couturière. On va déjà discuter avec elle. Avez-vous une minute? Je reviens dans les oreilles méchants. Je sens mauvais. D'accord. Avez-vous une minute? Elle veut plus me parler. Puis-je vous aider? Ça dépend. J'ai perdu mon arc ou peut-être que quelqu'un l'a volé. Je n'en suis pas sûre. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. J'ai besoin d'un nouvel arc. Pourriez-vous m'en fabriquer un? On va accepter puisqu'on a débloqué la quête de l'arc. Donc on va manger un bout. Et vite fait. Hop. Voilà, on va regarder, on va aller boire un petit coup d'eau dans le ruisseau, ici, histoire de se mettre bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc on va retourner au village. Ici pour voir les PNJ qu'il y a, histoire de repérer les niveaux 3. Et on verra tout ce qui est graines, tout ça, après l'hiver. On en est déjà au deuxième jour. Donc on va regarder ici où on avait trouvé dans notre belle Cunigunda qu'on a eu énormément de mal à draguer. Alors ici on est à niveau 3 en diplomatie, en extraction.
Alors moi, là maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est le champ pour pouvoir en faire un petit peu plus. Donc là, il n'y a pas lui. Il est 3 en diplomatie, 3 en extraction. Attendre que la stamina remonte. Ensuite, là-bas au fond, il est 3 en pêche, 3 en chasse, 3 en diplomatie. Il peut être intéressant. Lui, il l'est pas. Ici. Non. Mais enfin, on va discuter quand même avec eux. On en restera là. Je ferai le retour, moi, hors live. Donc, merci à ceux qui étaient sur le live. On va juste faire la discussion. On va faire attention de ne pas faire la bêtise de l'embaucher. Comment allez-vous? Zéro. Le travail, j'aime ce que je fais, c'est bien. Ok, il veut plus nous parler. Ok, on va lui parler à elle. Avez-vous une minute? Je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute? Et le travail? Avez-vous une minute? Je me suis mis à la chasse. Voilà, hop, ça fait deux. Alors, avez-vous une minute? Je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute? Il ne veut plus me parler. Il n'aimait pas la chasse. Alors, on va parler à elle. Avez-vous une minute? Le travail. Elle aime ce qu'elle fait. Avez-vous une minute? Et le travail. Ok, plus 5. Avez-vous une minute? Et elle ne veut plus discuter. On les a tous faits, lui, je ne sais plus. Ça nous le dire vite. Et le travail. Avez-vous une minute? Je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute? Ok. Donc, elle, je crois qu'on l'a faite. Hein. Ils se ressemblent tous. Ouais, on l'a faite. Hop. Les autres sont rentrés. Non, là-bas. S'il en reste un. Avez-vous une minute? Je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute? On est 100% approbation avec lui, mais il n'est pas recrutable. Hein. Je reviens de mon travail dans les champs. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Avez-vous une minute? Et le travail? Avez-vous une minute? Voilà. On va peut-être repérer un petit peu dans le coin, mais ici, il n'y a jamais grand-chose. Hein. C'est un tout petit village. Donc là, on a un petit peu repéré. Il n'y a pas grand chose de sensationnel. Donc on va repartir. Je vais repartir plutôt toute seule, comme une grande. Il est tard maintenant. Il est minuit 3. Alors merci à ceux qui sont passés sur le live. Que ce soit Bouiboui, que ce soit JJ, Mandrin et j'en passe. Il y en a eu d'autres. Plus ceux qui étaient sur le live mais qui ne parlaient pas. Mais pas grave. Écoutez, on se retrouve très vite. Je vais aller peut-être poser dans le stockage pour être un petit peu moins lourd. Mais lance. Alors, ça dépendra du contenu. Ouais, non. 989. Donc on a des bols. Vous voyez, il a bien bossé. Il a fait 10 bols quand même. On a du calcaire. Donc c'est bon. Il y a pas mal de choses. Ça va. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Donc écoutez, ben moi je vais en rester là pour ce live exceptionnel sur Medieval où je vous donnais l'opportunité de pouvoir venir me poser les questions à partir du moment où j'étais sur le jeu Medieval. Ceux qui sont venus ont posé leurs questions ou ont parlé dans le chat, etc. J'aurais aimé vous voir un petit peu plus nombreux, mais Twitch c'est une autre parcelle que YouTube, c'est pas pareil, je peux le comprendre. Mais ça vous aurait permis de me poser des questions directement et je vous aurais répondu instantanément, contrairement à YouTube où c'est des vidéos et où vous me posez, mettez une question en commentaire et le temps que je vous réponde, je ne suis pas toujours automatiquement sur YouTube. Mais voilà, donc on a bien vérifié ce qu'on a vu dans les mises à jour. Si j'ai oublié de vérifier quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Dans le commentaire, ah ben t'as oublié de regarder ça. Est-ce que tu peux le faire ou voilà, donc parce que ben oui, j'ai beaucoup de jeux, vous le savez, en ce moment on est sur un jeu qui est assez en découverte en Twitch, sur Twitch d'ailleurs, donc vous pouvez nous y retrouver le soir.
Et l'après-midi même, on est sur Twitch, on teste le jeu Echo. Et c'est un jeu qui est extrêmement, je dirais, extraordinairement génial. Et on s'éclate vraiment, on est 6 ou 7 à jouer ensemble. Et on est en train de le tester. Donc peut-être que je vous montrerai un petit peu ça sur juste un épisode découverte, je dirais. Donc moi, de mon côté, je vais me téléporter jusqu'au point de téléportation de départ. Et puis je vais rentrer tranquillement au village. Donc dans le prochain épisode, ce qu'on fera, je pense qu'on aura nos dettes à payer. Je pense, on aura, et on verra après pour construire une autre maison, mettre la couture surtout niveau 2, et puis voir un petit peu tout ce qu'on monte. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est dommage que vous soyez... J'aurais bien voulu voir un petit peu plus de monde de YouTube sur Twitch. Ça m'aurait fait plaisir de vous avoir directement en vocal et de pouvoir discuter directement avec vous plutôt que par vidéo et commentaires écrits. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage. En tout cas... Voilà, on a bien vérifié tous les points, je pense, de la mise à jour. J'ai dû en oublier certains, ça c'est sûr. Mais je n'ai relevé, je suis quand même allé voir les points les plus importants de la mise à jour par rapport au moment précis du let's play. Ce serait sur ma partie avancée, je serais allé voir d'autres choses. Mais là, c'est pas la peine d'aller me pencher sur des choses qui ne concernent pas le let's play. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, faites attention à vous, et je vous retrouve donc mardi prochain, excusez-moi pour hier, mais bon voilà, je vous ai expliqué, mais en tout cas je me suis rattrapée ce soir, donc vous pouvez me retrouver sur Twitch, vous aurez le lien dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis ça aide, n'oubliez pas de vous abonner surtout, c'est très important, c'est gratuit. Voilà, et puis de partager aussi, ça aide la chaîne à monter dans les vues de YouTube et ça aide effectivement plus de monde à trouver ma chaîne, à s'y abonner. Et effectivement, plus il y a de monde, plus on est de fous, plus on rit. C'est pas une question de financement, je vous l'ai déjà dit, puisque mes chaînes ne sont pas monétisées. Donc voilà, c'est juste une question d'être plus nombreux, d'avoir plus de questions, et puis voilà, que simplement la chaîne monte, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés, bien qu'on a encore monté, ça y est, les 300 sont passés, alors ça peut paraître ridicule, mais en tout cas pour moi c'est déjà beaucoup, et je vous dois tout ça à vous, donc merci, plein de bibi, plein de zouzou, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de Medieval, c'est-à-dire tous les mardis. Voilà, allez, bye bye!